On appelait régime totalitaire dans les années 30 les régimes qui étaient des régimes à parti unique et dont le parti avait vocation à régir en quelque sorte la totalité des activités d'une société, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit culturelle. L'État s'occupait de tout. On a eu malheureusement des exemples dans en particulier le fascisme, le nazisme et aussi le stalinisme, des sociétés totalitaires, le parti ayant vocation à tout faire. Alors aujourd'hui, bien entendu, nous vivons en démocratie, mais nous constatons d'une part que là où il y avait un parti unique, maintenant il y a une pensée unique et que, disons, les tenants de cette pensée estiment qu'il y a une solution unique, la solution qu'apporte le marché pour la totalité des activités de notre société. C'est-à-dire que quelle que soit, disons, l'activité, qu'elle soit d'ordre politique, économique, social, culturel, etc., sportive, eh bien, le marché a vocation à la régler. Que ce soit de l'ordre, on voit comment le marché aujourd'hui pénètre tous les interstices de la société, je disais, comme un liquide, en quelque sorte, hein, qui ne laisse rien, qui n'épargne rien. Eh bien, donc, c'est pourquoi on peut parler aujourd'hui de régime globalitaire, parce qu'il y a une volonté à imposer une sorte de solution unique à la pluralité des problèmes que nous connaissons. La pensée unique, je l'avais écrit à un moment où, en 1995, effectivement, je pense que la plupart de nos concitoyens n'avaient pas totalement pris conscience, finalement, qu'on avait basculé dans une idéologie dans laquelle on était immergé. Cette idéologie, c'est l'idéologie, on dirait aujourd'hui, néolibérale. Hein? C'est le néolibéralisme, certes, c'est une technique économique, hein? Ou c'est, disons, un certain nombre de principes économiques. C'est en même temps, en réalité, sans qu'on s'en aperçoive, un véritable carcan idéologique. Et ce que j'avais essayé de pointer, c'est précisément d'abord ça, en disant en quoi ça consiste finalement, c'est-à-dire ça consiste à énumérer un certain nombre de principes, notamment que le marché, la main invisible du marché, a vocation à régler la plupart des problèmes. C'est pas la peine que l'État s'en mêle ou que le citoyen s'en mêle, laisser faire le marché, etc. Établir un certain nombre de principes comme également la déréglementation, faut déréglementer, tout a été trop réglementé, donc l'État est trop présent, il faut moins d'État, il faut que, en quelque sorte, ce soit le capital qui l'emporte sur le travail, il faut trancher toujours en faveur du capital, et il faut privatiser, parce qu'il faut que, disons, le périmètre de l'État soit le plus réduit possible, le périmètre du privé le plus large possible. Il faut favoriser le libre-échange parce que le commerce, c'est le développement. On faisait une espèce d'égalité, d'équation de ce type. Bref, j'essayais de montrer d'abord comment ces principes-là, en fait, n'apparaissaient pas tout d'un coup, mais ils avaient été élaborés depuis 1944, depuis la conférence de Bretton Woods, qui avait mis sur pied le FMI, la Banque mondiale. C'était tout le travail que le FMI avait conduit depuis les années 60 et 70. En direction des pays du Sud, ce qu'on avait appelé l'ajustement structurel, ou ce que dans certains pays on appelle le consensus de Washington, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix réduire le budget des États, il ne faut pas qu'il y ait de déficit public, il ne faut pas qu'il y ait d'inflation, il faut à tout prix que le nombre de fonctionnaires soit extrêmement réduit, tous les services publics, que ce soit de santé ou d'éducation, soit réduit au minimum. L'État n'a pas vocation à faire des dépenses de cet ordre-là, ainsi de suite. Et beaucoup de pays du Sud en avaient énormément souffert, bien entendu. Donc c'est un peu ça que j'essayais d'expliquer en disant, en réalité, quand on ajoute tous ces éléments, on se trouve devant une idéologie. Hein, et aujourd'hui, je parlais pour la France à l'époque, on était à la veille de l'élection présidentielle qui s'est produite quelques mois plus tard, en mai. Bien, je disais, en réalité, aujourd'hui, finalement, c'est cette idéologie-là, cette espèce de pensée unique, presque un parti unique, nous était proposé à l'époque.
apparaît le néolibéralisme, on a une configuration intellectuelle et institutionnelle qui est assez particulière. On peut dire grosso modo, de 1914 à 1945, le capitalisme traverse une crise qui est sans précédent. Alors c'est une crise sur le plan matériel. Déjà, pendant les années 20, le capitalisme a connu un essor nouveau suite à la reconstruction. Mais dès les années 30, c'est la Grande Dépression, avec son lot de chômage, de faillites et des désordres politiques qui s'en suivent. Et sur le plan intellectuel, le credo libéral, en fait, cède le pas devant des revendications de planification économique, de dirigisme et de méfiance, de manière générale, envers le laisser-faire. Partout, en fait, on demande à un renforcement de l'intervention étatique, la mise en place d'une économie dirigée, et ça va se traduire par des réalisations concrètes, à la fois dans des pays à structure dictatoriale, entre guillemets, et dans des pays démocratiques. Bien sûr, on pense au plan soviétique, à la planification quinquennale, mais c'est aussi le New Deal aux États-Unis avec la National Industry Recovery Administration ou d'autres structures de ce type. C'est en Allemagne nazie le ministère de l'économie impériale, c'est dans l'Italie fasciste le ministère des corporations. Et même en France, par exemple, on instaure un ministère de l'économie nationale, chose tout à fait nouvelle, avec la montée du Front populaire. Un des aspects importants dans la mise en place d'un réseau néolibéral en France, ça a été la construction d'une maison d'édition. C'est une maison d'édition qui s'appelle les éditions de la librairie de Médicis, qui ont été fondées en 1937. C'est une maison d'édition qui a été créée par une femme qui s'appelle Marie-Thérèse Génin, ce qui n'est pas très courant dans cet univers assez masculin. C'est une femme qui est liée à un des dirigeants du syndicalisme patronal français, qui s'appelle Marcel Bourgeois, et qui va l'inciter à mettre en place une maison qui diffusera essentiellement des textes d'intellectuels à destination d'un public d'intellectuels. Donc c'est au sein des éditions de Médicis que va être publiée La Cité libre de Walter Lippmann, qui a servi de prétexte à l'organisation du colloque Lippmann. Mais c'est là aussi que vont être publiés certains textes de Hayek, des textes de Rueff, des textes de Ludwig von Mises, et en tout cas près d'une quarantaine de textes entre 1937 et 1940. C'est dans cette maison d'édition que vont être publiés les actes du colloque Lippmann. Colloque qui s'est tenu dans les locaux de l'Institut international de coopération intellectuelle. C'est un organisme disparu aujourd'hui, mais qui est l'ancêtre de l'UNESCO. Donc c'est quelque chose qui s'est passé dans un cadre relativement officiel. Donc ce colloque a reçu 26 participants. Et si on considère de manière rétrospective, on voit l'importance de ces participants. Parmi eux, on trouve Friedrich Hayek, donc un futur prix Nobel d'économie. On trouve quelqu'un comme Robert Marjolin, qui sera un des piliers de la construction européenne. On trouve les fondateurs de ce qu'on appelle en Allemagne l'économie sociale de marché, c'est Alexander Rustow et Wilhelm Röpke. On trouve le conseiller financier du général de Gaulle, Jacques Rueff, et on trouve même le concepteur de la guerre des étoiles de Ronald Reagan, qui s'appelle Stéphane Possoni. Bon, tout ça, c'est vu de manière un peu rétrospective, parce qu'à l'époque, ce sont évidemment des gens beaucoup moins connus. Le colloque va durer 4 jours, pendant lesquels vont être débattues essentiellement des responsabilités éventuelles du libéralisme dans la crise des années 30. Ils vont être débattus aussi des moyens de rénover le libéralisme et de pouvoir construire une opposition internationale au planisme et au socialisme. Hayek et von Mises, ce sont les représentants d'une des tendances du néolibéralisme, d'une seule en particulier, qui est ce qu'on appelle l'école autrichienne. Ce sont des partisans d'un libéralisme assez radical qui ne donne à l'État qu'un pouvoir minimal. L'État minimal, c'est un slogan repris souvent par des disciples de Hayek et von Mises. Alors, ce sont deux personnes qui ont des idées économiques un peu différentes. Les libéraux glosent souvent sur leurs divergences possibles, mais qui ont un certain nombre de points communs.
Le premier, c'est que pour eux, la science économique n'est pas toute leur œuvre, c'est qu'une petite partie de leur œuvre. Alors, von Mises, parce qu'il considère que c'est une branche d'une science plus générale, la science de l'action humaine. Hayek, parce qu'il a très tôt quitté les préoccupations purement économiques pour s'intéresser à la psychologie, il a travaillé sur le cerveau, il s'est intéressé aux ordres politiques, aux droits, etc. Pour eux, l'économie, c'est une discipline qui est leur discipline d'origine, mais qui ne couvre pas l'ensemble du champ des sciences humaines. Ensuite, ce sont des gens qui ont une conception de la science économique assez particulière, celle de l'école autrichienne, c'est-à-dire que c'est une économie qui n'est absolument pas positive, on ne s'appuie pas sur des statistiques, sur des données chiffrées, etc. Mais on développe tout à partir d'une axiomatique. On va considérer des situations idéales typiques, entre guillemets, où on va voir comment un individu rationnel agirait devant des arbitrages qu'il doit faire entre le travail et le loisir, entre dormir ou s'enrichir, enfin, etc., etc., avec des métaphores de type Robinson Crusoé perdu sur son île déserte. Troisième élément qu'ils ont en commun et qui est assez important pour comprendre l'histoire du mouvement néolibéral, c'est une conception du travail intellectuel et du rôle des intellectuels vis-à-vis du socialisme. Hayek et von Mises sont des gens qui ont une pensée très élitiste et très aristocratique et qui, grosso modo, pensent que la grande masse de l'humanité ne pense pas. C'est une phrase qu'emploie von Mises dans son livre Le socialisme, la grande masse de l'humanité ne pense pas. Et seule une minorité d'intellectuels pensent, et pensent pour tout le reste de la société. Et donc leur idée, c'est qu'il faut que des intellectuels pensent dans leur coin et puissent progressivement prendre le contre-pied du socialisme que d'autres intellectuels ont inventé et diffusé dans les masses, avec l'idée que les masses ne sont pas spontanément socialistes, c'est une idée que des intellectuels leur ont mis dans leur tête. Et donc ils accordent une place centrale à l'action des intellectuels dans les transformations sociales, dans les transformations politiques, dans les transformations économiques. Et c'est un peu ce qui explique qu'ils vont mettre en place des organisations comme la Société du Mont Pèlerin. Alors la réunion du Mont Pèlerin, donc c'est une réunion qui s'est déroulée en avril 1947, 1er au 10 avril 1947, se déroule dans un hôtel, l'hôtel du Parc, qui est situé près de Vevey en Suisse. Et c'est une réunion avec explicitement pour objectif de réunir les intellectuels libéraux européens et américains et de fonder une organisation internationale pour promouvoir les idées libérales. Donc Hayek avait commencé à prendre des contacts dès 2 ans plus tôt auprès à la fois de participants au colloque Lippmann, à la fois de milieux britanniques et américains. Et il va convier tout ce petit monde au Mont Pèlerin, le Mont Pèlerin qui donnera son nom à la société. Alors il y avait 39 participants, je crois, à la première réunion du Mont Pèlerin. Là aussi, comme pour le colloque Lippmann, un certain nombre de personnalités importantes. Alors, on a 3 futurs prix Nobel d'économie, Milton Friedman, George Stigler, Maurice Allais. On a des personnalités aussi qui sont connues pour leurs essais politiques ou philosophiques. On peut avoir Karl Popper ou Bertrand Jouvenel. Et puis, des gens qui ont une influence politique directe dans leur pays, à commencer par les Allemands, Wilhelm Röpke et Walter Eucken, qui sont donc des gens liés à ce qu'on appelle l'économie sociale de marché, en Allemagne. Donc les débats vont porter sur des sujets relativement généraux, du type christianisme et libéralisme, l'ordre concurrentiel, les possibilités de fonder une fédération économique européenne, et tout ça donc, pendant plusieurs jours. Bon, l'idée de Hayek, c'est néanmoins qu'il faut une structure comme ça très, très souple. Alors c'est une structure où les membres sont strictement cooptés. C'est une structure qui n'a pas de bureau, qui a des statuts qui sont déposés dans l'Illinois, qui se réunit tous les 2 ans dans des pays différents. C'est une structure assez immatérielle dans laquelle peuvent assez bien se reconnaître des intellectuels qui pensent que le libéralisme est une doctrine pour des intellectuels et qui s'adresse avant tout à eux.
La Société du Mont-Pèlerin, par définition, ce n'est pas un think tank, c'est une sorte d'académie pour les libéraux. Du même coup, il y a une forme de division du travail qui s'est instaurée entre cette organisation qui ne recrute que les libéraux les plus réputés, les plus reconnus pour leurs travaux, et d'autre part, les activités nationales des membres qui peuvent passer par la mise en place de structures qui sont soit des associations, soit des think tanks. Alors ça peut avoir des formes donc assez différentes. En France, par exemple, a été créée l'Association pour la liberté économique et le progrès social dans les années 60, qui est en fait la section française du Mont-Pèlerin, à laquelle vont s'adjoindre des membres recrutés soit dans les milieux patronaux, soit dans les milieux politiques, ce qui va permettre d'avoir un recrutement un peu plus large, un peu plus, enfin, qui va toucher des milieux un petit peu différents, pas uniquement des intellectuels. L'autre modèle, c'est la construction de think tanks, donc il y en a toujours eu dans l'histoire du Mont-Pèlerin. Donc les plus connus, c'est l'Institute of Economic Affairs qui apparaît en 1955 en Grande-Bretagne, ou l'Heritage Foundation qui était créé en 73 aux États-Unis et qui était lié au Parti républicain. Donc ces organismes, les think tanks, vont eux avoir un certain nombre de salariés à pointer, des gens qui vont être payés pour rédiger des notes, faire rédiger des projets de loi quasiment clés en main, qui vont ensuite être distribués aux hommes politiques, aux journalistes, etc., avec l'idée de concourir à la création d'une opinion publique libérale. Donc ces think tanks, aujourd'hui, il y en a des centaines, et ça forme une véritable nébuleuse dans laquelle il est assez difficile de se retrouver, au point même que certains think tanks, comme l'Atlas Foundation, ont aujourd'hui pour rôle de promouvoir la forme think tank et même de distribuer des kits et des modes d'emploi sur comment fabriquer son propre think tank. Donc on peut avoir des choses de nature très différente. Il y a des groupes qui se réunissent autour d'un auteur. Alors ça peut être le Hayek Center, ça peut être le Fundamental Institute, bon, qui tournent autour de l'œuvre d'une personne en particulier. Et puis on peut avoir des groupes qui, eux, ont un sujet de préoccupation en particulier. Ça peut être l'environnement, ça peut être la politique étrangère, etc. Bon, ces think tanks sont sans doute de qualité et de puissance très, très, très différentes. Et ce qui fait la force d'un think tank, c'est s'il arrive à relier en fait des intellectuels, une fraction du patronat et une tendance en général au sein des partis conservateurs. Bon, là, on peut penser aux think tanks comme le Center for Policy Studies de Keith Joseph, qui a promu un petit peu Margaret Thatcher et qui lui a permis de prendre appui pour un petit peu révolutionner le parti conservateur dans les années 70. On sait clairement une organisation qui va se retrouver à la jonction comme ça de trois milieux. Un think tank qui serait purement un regroupement d'intellectuels qui aurait des considérations générales sur le libéralisme n'a en général que très peu d'influence concrète sur les débats politiques. Toute une partie de la carrière des von Mises, Hayek, etc., s'explique en partie par les affinités qu'ils ont pu avoir avec des dirigeants du syndicalisme patronal. Von Mises, aux États-Unis, a toujours été associé à la Foundation for Economic Education et donc à travers ça au syndicalisme patronal. Hayek, quand il est arrivé à Chicago, s'est financé par des patrons américains qui souhaitaient qu'il écrive une sorte de la route de la servitude, mais sur l'Amérique et pas simplement sur l'Angleterre. Je pense que d'une certaine manière, ces intellectuels ont d'autant plus de pouvoir qu'ils se sont acoquinés ou qu'ils sont amis avec des individus puissants. Et que, évidemment, on peut voir un caractère utopique dans l'œuvre de Hayek, mais en même temps, c'est l'utopie du côté des plus forts et pas l'utopie du côté des plus démunis. Thank you.
there always have been right-wing think tanks, of course, but they really emerged in a powerful and significant sense in the early 1970s. And this was part of a very broad reaction to the activism of the 1960s, which terrified elites across the spectrum, because it was democratizing the society, and they all despised democracy, naturally. In fact, about the most explicit formulation of liberal internationalist views was a very important study of the Trilateral Commission, which is liberal internationalists in Europe, United States, and Japan, three major countries. Early in 1974, I think, it was called the Crisis of Democracy, and it was about the fact that the countries were becoming too democratic. There's what they say call an excess of democracy. People who are normally passive and apathetic are becoming active and pressing their demands. So these are people they call the special interests, like women and young people and old people and farmers and workers, I mean, meaning the whole country. There's only one group that isn't counted as special interests. That's the corporate sector, because they're supposed to run the world and the country. So they're not a special interest. They're the national interest. But the rest of the population was just becoming too active, partly student activism, partly the women's rights movement, environmental concerns. You know, it was a period of had a very substantial civilizing effect on the societies, changed a lot, and that was very frightening. And there's a tremendous counter-reaction. The Trilateral Commission called for more moderation in democracy. There's too much pressure on the state to meet all these demands. They called on what they call the institutions for indoctrination of the young. They're very frank, because they're talking to each other. The institutions for the indoctrination of the young have to be much harsher and stricter. The press is getting out of hand, which is sort of a joke, but maybe the state will have to intervene to constrain the press. But that was a kind of a general expression from the liberal internationalist corner of this part of the spectrum, internationally, Europe, the United States, and Japan, of the general feeling. That's why it's called the Time of Troubles. It was very troublesome to see the increase in participation and democracy and activism. And there was a very strong reaction on many fronts. One of them was the rise of right-wing think tanks to a position of great prominence and strength to try to shift the spectrum of discussion, at least in the mainstream, way to the right. At the same time, there's a very sharp increase in business lobbying to try to make sure that they can control and frame legislation. Quand on donne le pouvoir coercitif, le monopole sur le pouvoir coercitif à une agence qu'on appelle le gouvernement, il y aura toujours une tendance vers une utilisation soit ignorante ou soit d'un abus de ce pouvoir, et que le pouvoir aura une tendance à croître. Et ce que l'Institut Fraser essaie de rechercher et de souligner, c'est quelles devraient être les propres limites du gouvernement et quelles devraient être les limites de l'entreprise privée ou des échanges volontaires entre les individus. Et c'est ça le nexus, la division entre la coercition et le volontaire qui va informer ma discussion, ma conférence aujourd'hui. Et vous verrez les conférences des autres personnes qui sont venues participer aujourd'hui. Okay.
I am president of the Foundation for Economic Education, which is located just north of New York City. It was founded in 1946. At the time, it was the only free market-oriented classical liberal organization in the world. Since then, others have emerged. But we've been around since 1946, and our principal purpose is to introduce people to the ideas and ideals of a liberal, decentralized society governed basically by the rules of private property and limited government. My point today was not that there isn't pollution caused by industrial capitalism. My point was that the pollution caused by industrial capitalism, regardless of how serious or not serious you believe it to be, but that that pollution should be compared, the severity of today's problem should be compared to the way life was in the past, in pre-industrial times. And life in the past was, by our standards today, extraordinarily dirty, unsanitary, and hazardous because of the natural pollutants, the natural dirt that all of our pre-industrial ancestors dealt with on a daily basis. And it killed, those things killed many of our ancestors. And the market system, capitalism, has eliminated many of these hazards and has diminished the consequences of almost all others. So my point was largely not to say that we don't have pollution today, but that whatever pollution we have today should be compared to what we had in the past when you're making this grand evaluation of capitalism versus not capitalism. Ce séminaire n'est pas financé par le gouvernement. C'est financé par des dons privés. Et c'est toujours encourageant de voir des gens qui sont prêts à mettre leur argent où sont leurs convictions. Je crois qu'il y a beaucoup trop de services tels que l'assurance chômage, la santé, l'éducation, qui tombent sous un monopole. Le monopole du gouvernement, qui est le seul producteur de ces services. Pourquoi pas l'ouvrir et avoir de la concurrence? C'est-à-dire, on pourrait avoir la concurrence dans la production des services et notre souci pour les pauvres peut être adressé en donnant des subventions aux pauvres pour qu'ils puissent acheter ces services. Alors, séparer la production, que je voudrais voir privée et concurrentielle, du financement qui pourrait être en partie gouvernemental. Vous savez, j'aime pas parler de marché comme tel, parce que je ne crois pas que les marchés existent sans les gouvernements. Chaque marché a besoin de règles. Chaque marché a besoin d'un certain niveau de coercition. Et j'aime pas non plus parler de liberté comme une valeur en soi-même. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas la liberté. Ce que je voudrais la liberté de choisir mes maîtres. Et ce que j'essaye discuter dans mes conférences, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un système de gouvernement qui nous permet le choix de quel type de représentant, quel type de contrainte on va choisir. Parce qu'on doit tous vivre sous contrainte, même les libertariens les plus féroces. Le libertarianisme, c'est un petit peu le descendant de la philosophie libérale classique, c'est-à-dire c'est une philosophie qui essentiellement met l'accent sur la liberté individuelle et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire au niveau économique, le libre marché, au niveau politique, un état minimal et le moins de coercition possible, le moins de réglementation, le moins de... finalement, qui laisse le plus d'espace possible aux individus pour faire ce qu'ils veulent et à entretenir des relations volontaires avec d'autres individus.
Sur le plan social aussi, évidemment, c'est tout à fait à l'opposé des philosophies qui essaient d'imposer un ordre social ou religieux ou culturel quelconque. Donc, l'idée, c'est que si les individus sont libres à l'intérieur d'un cadre où, évidemment, les droits de propriété et les droits individuels sont protégés, chacun va pouvoir entretenir des relations sur une base volontaire avec d'autres. Et ça va mener à une sorte d'harmonie. Donc, c'est pas de l'anarchie dans le sens où la lutte d'un contre l'autre ou ce qu'on appelle là, le capitalisme sauvage ou la concurrence sauvage. C'est absolument pas ça. Au contraire, c'est laisser suffisamment d'espace aux individus pour qu'ils entretiennent des relations pacifiques et volontaires avec d'autres individus. Comme j'ai dit, le libertarianisme est un peu le descendant du libéralisme classique, qui est une philosophie qui a été élaborée, en gros, 17e, 18e siècle, qui était une réaction, évidemment, aux monarchies très autoritaires de l'époque. Donc, le libéralisme disait, à l'encontre du pouvoir du souverain, il faut augmenter les libertés des individus. Ça s'est développé dans les siècles qui ont suivi pour donner ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une philosophie qui met l'accent sur le libre marché, etc. Sauf que les libertariens au 20e siècle se démarquent un peu des libéraux, parce que le mot libéral aussi a comme changé de définition. Là, aux États-Unis, un liberal aujourd'hui, c'est plutôt finalement, c'est l'inverse. C'est un social-démocrate ou un gauchiste. Et en Europe, on garde encore dans la tradition française, par exemple, libéral veut encore dire ça, mais sauf qu'il y avait beaucoup de confusion. Les Américains, qui étaient des libéraux classiques, ont commencé à s'appeler libertarian, je crois, dans les années 20 ou 30, pour se distinguer des liberals. Et aussi, la philosophie libertarienne est quand même plus cohérente et radicale, si on veut, que le libéralisme classique, dans le sens de réduction vraiment de l'État, soit à sa plus simple expression, ou même certains libertariens sont en faveur d'une élimination totale de l'État, donc privatiser même les services de défense, de sécurité, de justice. Aujourd'hui, dans un État, dans une société où l'État la proportion des dépenses de l'État, c'est à peu près 45 à 50 % du PIB. L'État contrôle des secteurs comme l'éducation, la santé, l'État contrôle des tas de choses, réglemente d'autres choses qu'il ne contrôle pas, subventionne presque tout le monde. Il y a une grosse partie de la population qui finalement ne vit que de redistribution d'argent, c'est-à-dire que ces gens-là ne produisent pas sur un libre marché des biens qui sont voulus par d'autres, mais simplement reçoivent de l'argent de l'État, argent évidemment qui a été confisqué à d'autres contribuables. Tout ça, ça veut dire qu'il y a des tas de gens qui vivent carrément aux frais des autres individus. On peut diviser finalement la société en deux. Là, d'un point de vue libertarien, il y a ceux qui produisent, puis il y a ceux qui vivent aux dépens des producteurs, qui sont une sorte de parasites, là, finalement, même si le mot est un peu fort, mais c'est ça que ça veut dire. On ne peut pas être en faveur de la responsabilité individuelle et défendre ce point de vue-là. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent aux dépens des autres, ils sont vraiment irresponsables dans le plus pur sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ne font rien qui est en demande et ils vivent grâce à la coercition étatique, c'est-à-dire que l'État transfère des richesses d'un groupe vers l'autre. Donc, si on veut promouvoir la liberté et la responsabilité, on ne peut pas accepter cette dépendance-là d'une grosse partie de la population. Les gouvernements, contrairement à la perception
qu'on colporte chez nous, là. On vit dans une culture étatiste, nous, au Québec, là, les gens s'en rendent pas compte parce qu'on est tellement pénétrés de cette perspective qu'on la pense naturelle. Mais en réalité, c'est une culture étatiste, c'est-à-dire qui perçoit naïvement l'État comme l'instrument pour maximiser le bien commun. En d'autres termes, là, comme si l'inspiration... Mais ça, c'est une vision, c'est une vue purement... c'est une vision parfaitement angélique de l'État. Ça n'a rien à voir avec les gouvernements réels. Puis surtout, c'est que ça n'a rien... Pourquoi est-ce qu'on croit que nos gouvernements, fussent-ils démocratiques, ce qui est déjà un avantage quand même, maximiseraient le bien commun? Les gouvernements ne font rien de ça. Les gouvernements, ils obéissent aux règles du jeu qui les régissent. Hein? C'est-à-dire, puis qu'est-ce que c'est les règles du jeu? C'est le processus électoral. C'est ça qui est sa vertu, justement. Or, qu'est-ce que ça prédit, ça? Ça prédit que, souvent, on assistera à ce qu'on appelle la dictature de la majorité. Ça veut dire que comme la règle du jeu première, pas la seule, mais la règle du jeu première de la politique, c'est la majorité, ça veut dire qu'un gouvernement qui sait gagner des élections va d'abord viser à privilégier la majorité. Alors, la majorité fait des revenus, disons, faibles, relativement à la moyenne. Ça veut dire que les politiques auront pour objet unique de redistribuer la richesse en faveur de cette majorité-là, non pas de maximiser la richesse, non pas d'augmenter la croissance. Ça, c'est, d'être efficace, ce n'est pas une considération importante pour un gouvernement. Sa première considération, c'est de redistribuer la richesse à ceux qui l'élisent, c'est-à-dire la majorité. Or ça, dans les faits, c'est comme ça qu'on explique les régimes universels. Hein. C'est comme ça qu'on explique l'espèce de prédilection là, que même la population, qu'une majorité, je dis bien, affiche vis-à-vis les monopoles publics de la santé, les monopoles publics de l'éducation, parce que c'est pas de la compassion, c'est pas le souci de partager la richesse qui inspire cette position-là, c'est que la majorité veut se faire payer des services par la minorité qui fait un revenu un peu plus élevé que le sien. C'est ça qu'elle sent. Hein? Donc, c'est une gigantesque fourberie d'affirmer que c'est la compassion qui inspire, la santé socialisée et les monopoles publics de l'éducation. Ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Bon, la deuxième dimension, c'est que les gens, donc la majorité, est plutôt apolitique. Hein? C'est-à-dire qu'il existe ce qu'on appelle, nous, en économique, l'ignorance rationnelle. Il serait bête pour chacun d'entre nous d'acquérir beaucoup d'informations sur les politiques, hein? De se renseigner sur l'impact des politiques vis-à-vis nous, à part quelques-unes particulières. Pourquoi? Parce qu'on n'y peut rien. De toute façon, on est un individu qui votons sur X millions, et par conséquent, qu'on soit informé ou pas, qu'on vote bien ou qu'on vote mal, ça ne changera rien au résultat. Donc, chacun doit se dire qu'il doit minimiser l'effort qu'il accorde à la compréhension des politiques puis à l'information politique, ce qui est conforme aux faits. Hein. Les gens ne connaissent même pas le nom de leurs députés, très souvent. Puis ils seraient incapables de désigner, de donner, d'expliquer le sens d'une politique pour lui. Puis c'est normal, parce qu'encore une fois, ça coûtera horriblement cher de se renseigner, alors que la contribution qu'il pourrait apporter à la réalisation de cet objectif-là, c'est zéro, c'est rien du tout. Donc les gens sont apathiques, sont apolitisés, les gens ne participent pas à la vie politique, parce que ça n'en vaut pas la peine. Mais... Ça ouvre la voie, ça, à l'intervention des gens qui sont des groupes qui sont stratégiquement placés, les groupes d'intérêt. C'est ça qui explique la domination des groupes d'intérêt. Hein, parce que un organisme qui est déjà en place, disons, le secrétariat de la CSN ou de l'Association des manufacturiers canadiens, ils sont déjà en place, là. De s'adonner à l'activité politique, puis à la propagande, puis à la promotion de leurs intérêts, ça coûte presque rien, hein, parce qu'ils ont déjà un organisme en place. Et par conséquent, ça va vouloir signifier que les décisions politiques vont être dominées par les gens stratégiquement placés, les groupes organisés.
Si on regarde les faits objectivement, l'État est une institution coercitive. L'État ne peut rien faire qu'en imposant des choses par la force. Par exemple, quand l'État a un monopole comme Hydro-Québec, si moi je décide de produire et de vendre de l'électricité et que je me situe en dehors du monopole, en bout de ligne, c'est pas juste une question là, de réglementation et de me donner des petites tapes sur les doigts. Je vais aller en prison si je persiste à vouloir faire quelque chose que l'État m'empêche de faire par sa réglementation. Donc, l'État va m'agresser physiquement si je veux offrir un service qu'il préfère, lui, monopoliser. C'est-à-dire que les hommes de l'État ont décidé de monopoliser. Donc, en bout de ligne, tout ce que fait l'État, quand il nous vole la moitié de notre salaire, ben je m'excuse, mais on ne m'a pas demandé mon avis à ça. Donc, on me vole la moitié de mon salaire. On a beau dire que démocratiquement, on a élu des gens qui ont décidé ça à notre place. Sauf que la démocratie, c'est un petit peu l'organisation pacifique, entre guillemets, du banditisme de l'État. Moi, je n'ai pas voté pour qu'on m'enlève la moitié de mon salaire et ça donne qu'il y a plein de gens qui ont intérêt, parce qu'ils vivent, on revient à ce que je disais tantôt, aux frais de l'État, à ce que l'État m'enlève la moitié de mon salaire pour leur donner à eux autres. Donc, la véritable liberté, c'est pas la démocratie. Je ne suis pas un antidémocrate dans le sens d'être pour un État autoritaire. Quand on parle contre la démocratie, on est toujours vu comme étant en faveur de... évidemment, d'un État autoritaire. Au contraire, je suis pour un État qui n'est absolument pas autoritaire, au point qu'il ne justifie même pas ses actions sur la base de la démocratie. La liberté individuelle, ce n'est pas la même chose que la liberté démocratique. Quand on donne démocratiquement le pouvoir à un certain nombre de gens de nous enlever, de nous imposer des choses, ça contredit la liberté individuelle. Donc, c'est pour ça. Si on est cohérent dans notre défense de la liberté individuelle, on n'est même pas en faveur de plus de démocratie, c'est-à-dire de plus de façons de se partager les ressources des autres qu'on a volées à d'autres. Au contraire, on est simplement pour la diminution drastique du rôle de l'État pour faire en sorte que les individus sont tout à fait libres, non pas de décider pour quel renard ils vont voter qui va aller dans le poulailler, mais simplement pour décider de ce qu'ils font avec leur propriété. Point à la ligne. Les incitations qui sont incorporées dans les politiques sociales sont néfastes aux pauvres eux-mêmes, très souvent, puis à la population générale. Je veux dire par là que, hein, il existe chez nous là, l'économie sociale publique, là, en parallèle à l'économie capitaliste, l'économie de marché, qui elle est productive. L'autre est bâtie sur le modèle de l'ex-Union soviétique et qui comporte des incitations néfastes pour tout le monde. C'est-à-dire, on récompense les gens pour ne pas travailler. On récompense les gens pour ne pas avoir de famille stable. Hein? L'aide aux mères célibataires, c'est une façon de multiplier les naissances en dehors du ménage. Et on récompense la pauvreté. C'est aussi radical que ça. Hein? Il faut savoir que la pauvreté, ça obéit aux mêmes règles que le reste des choses. Hein. Plus on la subventionne, plus il y en a. Parce que les gens prennent goût à la pauvreté. Hein. Bon, on le voit bien dans les expériences de l'Ontario puis des Américains hein, depuis 4 ou 5 ans, où on a vraiment imposé des limites à l'accès aux subventions, aux allocations de bien-être social. Puis la population de pauvres, de dépendants, a tombé de moitié en l'espace de quelques années. Parce qu'il n'y avait plus d'argent au bout, les conditions avaient changé, on leur imposait du travail, etc. En tout cas, quelles que soient les modalités particulières. Il existe des façons de susciter la réinsertion des gens dans l'économie productive. Hein. Au lieu de les entasser, par exemple, dans des HLM, dans des ghettos où tout le monde est pauvre, si on leur donnait, disons, la façon des vouchers ou des bons qui leur permettent d'accéder à la propriété, au lieu de subventionner le chômage, comme c'est le cas par l'assurance chômage, hein, on subventionne les gens pour qu'ils soient chômeurs. Si on n'est pas chômeur, on n'a pas de subvention dans ces cas-là. On pourrait créer des fonds d'épargne chômage par lesquels les gens accumuleraient des protections.
hein, à l'abri du fisc, ou même subventionné, au cas où il tombera en chômage. Alors chacun serait soucieux à ce moment-là de ne pas tomber en chômage parce qu'il se trouverait à gruger dans son propre fonds qui lui appartient. Donc chacun serait libre, serait bénéficiaire de l'économie qu'il ferait de son fonds. Bon, alors il y a tout ça, mais notre régime, nos politiques sociales sont bâties vraiment, encore une fois, pour créer une industrie de la pauvreté, une industrie de la dépendance qui profite évidemment à tous les bureaucrates, à tous les fonctionnaires qui gravitent autour de ça et qui, en même temps, suscite dans la population de la dépendance, mais aussi des appuis politiques. Donc, puis encore une fois, sans effet, à long terme, à travers les pays, encore une fois, les politiques sociales n'ont pas diminué la pauvreté. Voilà le diagnostic final qu'on pose sur la question. On observe que la croissance est dans l'histoire et à travers les pays, la croissance du revenu des économies est le seul moyen de venir en aide aux pauvres. On a des données vraiment rigoureuses là-dessus. C'est que la seule variable qui affecte qui diminue la pauvreté dans un pays, c'est, dans les différents pays, c'est la croissance de la richesse. Les politiques sociales ne comptent pour rien. Donc, quiconque est soucieux d'au moins d'assister les pauvres, ou enfin les moins favorisés de la société, doit privilégier la croissance. Et par conséquent, tous ceux, par exemple, qui s'opposent au libre-échange, au nom des pays pauvres et au nom des pauvres dans les pays, se trompent, font une erreur d'observation, une erreur de fait. Les faits contredisent leurs options. La meilleure façon d'assister les pauvres, c'est d'ouvrir au commerce pour que le revenu augmente de tout le monde. Parce que statistiquement, encore une fois, le revenu des pauvres augmente aussi vite que celui des autres quand le revenu augmente. Et pour que le revenu augmente, il faut ouvrir l'économie sur le monde extérieur. Bon, au-delà de ça, au-delà de l'assistance aux pauvres, en tout cas, des mesures qui sont susceptibles d'assister les pauvres, je ne vois pas qu'il y ait de fondement à la redistribution de la richesse. C'est vraiment remarqué qu'au contraire, les gouvernements en font beaucoup de redistribution de la richesse en faveur de la classe moyenne, par exemple, parce que c'est elle la majorité qui détermine les choix. Mais ça n'a aucun fondement moral. La seule justice sociale, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le respect des droits de propriété. D'un point de vue libertarien, les biens publics n'existent pas. C'est un petit peu une invention pour justifier l'intervention de l'État, si on veut, parce que la logique là-dedans, c'est qu'il y a toujours des externalités, supposément. Par exemple, la pollution, ça serait une externalité. On ne peut pas produire sans faire de la fumée qui va tomber sur le voisin ou sans faire des résidus qui vont devoir être aller dans la rivière. Sauf que pourquoi ça se produit? C'est parce que il n'y a pas de droit de propriété, par exemple, sur l'eau. Les rivières sont publiques. Dans la mesure où, pendant tout le 19e siècle, là, on permettait aux entreprises de polluer les rivières, et jusqu'à très récemment, ça se faisait ça parce que l'État contrôlait la rivière. Donc, la rivière était une ressource public, étatique, et l'État permettait aux entreprises privées de polluer la rivière. Mais moi, je dirais, si la rivière avait été privatisée et que chacun des propriétaires de la rivière avait dû être consulté pour savoir s'il permettait à une compagnie de jeter ses résidus dans la rivière, on peut être certain que ça serait sans doute pas arrivé de la même façon. Ou ça serait peut-être arrivé si, par exemple, la compagnie avait payé le véritable prix de la pollution, c'est-à-dire avait payé finalement les propriétaires pour polluer leurs ressources. Donc, il y aurait eu une allocation là, des ressources qui aurait été très différente et sans doute qu'on aurait mis l'accent sur d'autres formes de solutions à ces problèmes-là. Par exemple, les compagnies auraient investi plus dans des solutions technologiques pour empêcher la pollution ou se seraient arrangées pour polluer dans des endroits très précis
chez quelqu'un qui était prêt à accepter cette pollution-là en échange d'être payé, finalement. Donc, il y aurait eu un réaménagement différent des priorités de production. Donc, quand on parle de biens publics, on parle de choses qui, finalement, n'existent que parce que l'État distorsionne la production en nationalisant certains biens ou en nationalisant l'environnement. Historiquement, le libéralisme représente un progrès. Le libéralisme, mais le libéralisme classique, celui qui a été défendu par Adam Smith, par exemple, le fondateur de l'économie politique, a bien peu de choses, puis je serais tenté de dire presque rien à voir avec ce qui circule en ce moment sous l'expression libéralisme dans le mot néolibéralisme. Ça n'a presque rien à voir avec le libéralisme classique. Alors, tu vois, historiquement, le libéralisme, ça a été un progrès. Ça a été un progrès dans la mesure où ça a été une manière de contester l'absolutisme royal, puis de rendre des droits à l'individu. Au nombre de ces droits-là, dans le libéralisme classique, celui de Locke, celui d'Adam Smith ensuite, on a reconnu le droit à la propriété. C'est vrai, le droit à la propriété privée. Ça a été un progrès. Mais il n'est pas absurde de penser que même l'anarchisme est un enfant du libéralisme. Le libéralisme avait quelque chose de radical dans ses premières formulations. Et les penseurs actuels qui se réclament du libéralisme feraient dresser les cheveux sur la tête à Adam Smith s'il pourrait revenir, parce qu'il reconnaîtrait à peu près rien de ce qu'il a défendu dans ce qui circule actuellement sous ce nom-là. Alors, prenons justement le cas de la propriété privée. La propriété privée, si elle résulte d'interactions au sein desquelles il y a des entités comme des corporations transnationales, au centre du libéralisme, dans le libéralisme classique, dans le cadre du libéralisme classique, on ne peut pas penser ça. Il est absolument exclu de penser que des tyrannies privées comme GM ou comme Bombardier puissent avoir des droits. Tu comprends? Que les droits de propriété puis des droits supérieurs parfois à ceux des êtres humains s'adressent à eux. Maintenant, la question, en disant tout ça, là, je veux être clair aussi, c'est que la question des droits de propriété, elle est difficile et c'est important de la poser. Puis il n'y a pas de réponse simple à ça. Cependant, je suis certain que même dans le cadre du libéralisme, on ne peut pas faire rentrer l'ensemble des pratiques actuelles avec les acteurs que sont les corporations transnationales, les droits qui leur sont reconnus dans le cadre du libéralisme classique. C'est complètement absurde. Maintenant, oui, il faut une réflexion sur les droits de propriété. Moi, personnellement, j'ai des opinions là-dessus qui sont celles de l'anarchiste classique, hein, c'est-à-dire que la propriété privée des moyens de production me semble une aberration. Mais je veux faire une place à ce que Proudhon appelait la possession. C'est sain d'avoir des droits de possession. Mais la doctrine qui circule actuellement frauduleusement sous le nom de libéralisme ou de néolibéralisme est absurde. Supposons que dans le monde dans lequel nous vivons, quelqu'un puisse s'approprier par les moyens qu'on reconnaît habituellement pour s'approprier des droits de propriété sur quoi que ce soit. Supposons qu'on réussisse à m'approprier par des moyens jugés légaux des éléments essentiels à ta vie, à sa vie et à sa vie ou à la vie de l'ensemble des gens. Ces gens-là, vous pourriez mourir ou vous vendre à moi. Une telle société devrait être reconnue comme juste par le néolibéralisme actuel. C'est absurde. On voit tout de suite que c'est aberrant. Donc, on ne peut pas répondre à ces questions-là dans les termes aussi simplistes que le monde actuel nous invite à y répondre. Mais la question reste difficile. Et encore une fois, moi, mon choix, c'est de penser qu'on ne peut pas posséder privément un moyen de production, mais les droits de possession, c'est-à-dire des choses dont on a l'usage, sont sains. Voilà. The term neoliberalism is a very curious one. First of all, it's not liberal. By any means, as we've discussed, it's not new. It was neoliberal policies, or something rather like them, that created the Third World. If you go back to, say, the 18th century, the centers of the world economy were China, India, mostly. And it changed. The differences between the rich and the poor were not very great, not nowhere near like today. Europe grew and developed. First England, then the United States, Germany, Italy, and so on. They developed by radically violating what are now called neoliberal principles, strong states, direct intervention in the economy, and so on. India and later China were devastated, and the same is true of what we now call the Third World. How? By forced imposition of market principles. And this is furthermore well known. So if you read serious economic historians, Paul Baroche, for example, he simply points out
Protectionism and state intervention created the rich and developed societies. He doesn't call it neoliberalism, but forced liberalization and pretty much created the third world. And furthermore, this is understood in the 18th century. So take, say, Adam Smith, who everyone reveres, but no one reads. If you read Adam Smith, he's an intelligent person. Everyone knows the phrase invisible hand. Very few people pay attention to where it came from. He uses it once in his book, Wealth of Nations, so it's not hard to find. If you look at it, it's a critique of what we call neoliberalism. What he pointed out, he was interested in England. He said, in England, suppose that the merchants and manufacturers who own the country and decide the policy, suppose that they decided to invest abroad and import from abroad because it was more profitable. He said, well, it'd be profitable for them, but it'd be harmful to England. He said, however, for various reasons, their attachment to their home country, safety, whatever, they individually will decide not to do it. So therefore, as if by an invisible hand, England will be saved from the ravages of what we call neoliberalism. Well, his intuition was right. The argument was wrong. David Ricardo, the other leading economist, said pretty much the same thing. He recognized that, take his example, Portugal and England, standard example. He said, well, if British capitalists decided to invest in Portugal for both wine and textiles, his example, they might profit. And it would undermine his theory of comparative advantage, but the people of England would suffer. He says, however, they won't want to do it. And he gives very psychological other reasons why, you know, they like their country or whatever. But the intuition is correct. It was understood in the 18th century, and it's played out about the way you'd expect. Forced liberalization has been extremely harmful, and the rich and powerful countries wouldn't accept it for themselves. Le libre-échange est un très beau concept, et tel qu'il a été imaginé au XVIIIe siècle, il avait certainement des mérites, parce que c'est très logique de dire vous devez produire ce que vous produisez de mieux et de moins cher et l'échanger avec d'autres qui vont faire autant. Au lieu d'essayer de produire du vin en Angleterre, vous l'achetez au Portugal. Ça, c'est, les Portugais vont acheter votre drap de laine. Ça, c'était l'exemple original de Ricardo. Bon. Mais les grands théoriciens du XVIIIe siècle n'imaginaient jamais que le capital serait, lui, libre d'aller où il veut, et qu'une compagnie américaine ou anglaise pourrait aller investir en Chine, prendre avantage de la répression en Chine, qui refuse des syndicats et qui donc a des salaires extrêmement bas, externalise, comme on dit, tous les coûts de l'environnement, n'est-ce pas, fait payer la société et la planète en général parce qu'elle pollue, mais c'est moins cher. Donc, au lieu d'avoir ce qu'on appelle un avantage comparatif, c'est-à-dire je produis le vin moins cher que vous et vous produisez le drap de laine moins cher que moi, ça devient un avantage absolu parce que mon capital est libre de partir là où il va trouver les conditions de profit les meilleures. Et c'est ceci qui fausse le commerce, et c'est ceci qui fait que les transnationales, naturellement, veulent la plus grande liberté possible pour elles-mêmes. Mais il n'est pas question que le travail puisse circuler, sauf ce qu'on peut appeler les nomades de notre temps, c'est-à-dire des personnels hautement qualifiés qui seraient concernés par les accords sur le service, parce qu'eux auraient le droit de circuler librement et de s'installer où ils veulent, mais naturellement, le commun des mortels ne l'aurait pas du tout. Thank you.
La théorie des avantages comparatifs, c'est une théorie de la spécialisation internationale. Et c'est une théorie qui, effectivement, dit que les nations doivent se spécialiser selon leurs avantages comparatifs. Donc c'est une théorie qui est purement statique, c'est-à-dire qu'on considère une boîte, on arrange les pions dans une boîte, mais on se demande pas pourquoi la forme de la boîte, est-ce que la forme va évoluer, est-ce que le fait d'arranger les pions change la forme de la boîte? Non, c'est une théorie purement de l'instant. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que le commerce international, ce n'est pas de l'échange désintéressé qui fait que c'est les gentils indigènes qui commercent avec les gentils conquistadors. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ça ne se passe jamais comme ça. C'est des conquistadors qui arrivent et qui tuent tout le monde. Et puis après, le commerce arrive comme une deuxième étape de pacification. Mais d'abord, dans le commerce international, qui est la matrice du commerce, hein, le commerce, c'est pas la... Ça aussi, c'est une idée reçue, c'est pas le village qui échange, ensuite c'est la ville qui échange, ensuite c'est la région, ensuite c'est la nation, ensuite c'est les nations qui échangent entre elles. Non, ça s'est jamais passé comme ça. Ça s'est passé exactement à l'inverse. C'est-à-dire que c'est d'abord le commerce international qui suit les militaires, qui suit la prédation, et ensuite, il y a un phénomène de pacification vers l'intérieur. La théorie de la main invisible, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. D'abord, c'est un pari que les hommes sont mauvais. Donc c'est assez lucide, c'est de dire, bon, au fond, on va faire avec. Les hommes, ils sont égoïstes, cupides, plutôt méchants. Et ils pensent à eux. Et le reste, ils n'aiment pas le collectif. Ils ne sont pas solidaires. Ils n'aiment pas la société. Ils pensent d'abord à eux. Faisons que cette espèce de défaut devienne un avantage pour la collectivité et pour la société. Et donc, laissons-les faire, et de leur antagonisme égoïste va naître un bonheur public. C'est ça l'idée de la main invisible. Et l'idée de la main invisible, c'est que chaque fois qu'on intervient, qu'on essaie de mettre de l'ordre dans cet antagonisme des égoïsmes, eh bien, on va perturber le système et ça va être pire. Parce qu'une des grandes thèses réactionnaires, c'est la thèse de l'effet pervers. C'est Hirschman qui a dit ça, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire que les hommes de droite, les réactionnaires, ont toujours accusé les hommes de gauche de vouloir faire le mal en voulant faire le bien. Vous voulez faire le bien, vous voulez aider les pauvres, vous allez créer beaucoup plus de pauvres. Pour moi, l'image la plus extraordinaire, c'est l'image de The Economist après la réunion de Seattle, qui a montré des affamés du tiers-monde, des petits noirs, en disant « les victimes de l'échec de Seattle, les voilà ». Ça, c'est immonde. C'est pire que les publicités de Benetton. C'est fondé sur l'idée de dire, vous avez voulu vous amuser à interdire l'OMC, etc. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez créé des pauvres, des malheureux, des affamés, etc., etc. Alors que ce système crée d'abord des pauvres, des affamés et des malheureux, bien entendu. Donc ça, c'est cette espèce de... Alors la main invisible, c'est de dire, laissez faire, quoi. Laissez faire. Vous n'y pouvez rien. L'homme est méchant. Il est mauvais. Donc ce qui peut arrêter la méchanceté de l'homme, c'est de la méchanceté d'un autre homme. Hein? Donc mettez deux méchants ensemble, et bien ils s'équilibreront et laissez faire, et tout ira mieux. Les économistes étudient la main invisible depuis 1776. Hein? Donc ça va faire quand même un petit paquet de temps qu'ils étudient ce problème. Pour que ça fonctionne, il faudrait que les hommes soient séparés, autonomes, qu'il n'y ait pas de relation, qu'il n'y ait pas de collectif, qu'il n'y ait que leur propre rationalité, séparée de celle des autres, individuelle. Il faut que ce soit un individualisme absolu. Première condition. Deuxième condition, il faudrait qu'il y ait une information parfaite. C'est-à-dire qu'on sache tout ce qui va se produire, dans les siècles des siècles jusqu'à... Deuxième condition. Attends, j'ai oublié la troisième. Merde. Donc, il faudrait qu'il y ait une information... qu'il y ait une information parfaite. Et troisième condition, il faudrait qu'il n'y ait pas d'incertitude. C'est-à-dire que, par exemple, une tempête, que le hasard, que le fait que Ariane se casse la gueule au 25e en vol et pas au 3e, que le monde soit sans hasard, ce qui est un corollaire, d'ailleurs, de dire qu'il faudrait qu'on ait une information parfaite sur le futur. Alors, dans ces conditions, il se pourrait que la main invisible fonctionne, mais ce n'est même pas sûr. Car ce qu'il faut savoir, ce qui est extrêmement important, c'est que les économistes libéraux, les plus grands, les plus mathématiciens, les plus prestigieux, les prix Nobel, ont démontré depuis environ 25 ans que le théorème de la main invisible ne marche pas.
que c'est une foutaise. Ils l'ont démontré. Alors que ce soit des choses que subodoraient beaucoup de gens depuis longtemps, Keynes par exemple l'avait subodoré depuis fort longtemps, puisqu'il pensait que la notion d'équilibre était une notion qui était absolument inadaptée à l'économie. Bon, c'était la notion de déséquilibre. Que fondamentalement, l'économie était quelque chose de chaotique. Mais les économistes, les purs, les durs, les méchants, les libéraux, les plus prestigieux, ceux qui sont drapés dans tout le prestige de la science la plus dure qui soit, ont dit, Gérard Debreu, prix Nobel en tête, ont dit, il y a 25 ans, ça ne marche pas. Un marché, ça ne fonctionne pas. Ça ne conduit pas à l'équilibre, ce n'est pas efficace. Alors retenez bien ces deux choses. Un marché, ça ne conduit pas à l'équilibre. Donc la loi de l'offre et de la demande, ça ne veut rien dire. Et ensuite, un marché, ce n'est pas efficace. Si vous laissez faire le marché, vous aurez la pire des solutions. Si vous laissez faire, vous aurez la pire des solutions. Merci, messieurs les libéraux, de nous l'avoir dit, quand même. On s'en doutait un petit peu, mais c'est bien que ce soit vous qui l'ayez dit. Donc quelqu'un qui, aujourd'hui, dit la main invisible, dit la loi de l'offre et de la demande, dit le marché, dit l'équilibre, dit l'efficacité, que c'est quelqu'un, soit un escroc, ça arrive assez souvent, soit se voile les yeux, ça arrive aussi, quelqu'un qui ne veut pas voir, hein, ce qu'un Sartre appelait un salaud, quelqu'un qui sait mais qui ne veut pas dire, soit c'est quelqu'un qui est incompétent, bon, ça arrive aussi. And supposedly they're supporting free trade. But what does free trade mean? First of all, a country like the United States, and the same is true to a lesser degree of Europe, can't participate in free trade agreements just for reasons of logic. They don't accept markets at home. If you don't accept markets at home, you can't be involved in free trade agreements. So it takes the U.S. economy, which is core of the post-war world economy. It's based significantly on the dynamic state sector of the economy. And then take the place where we're sitting, MIT. Now, what is MIT? A major, you know, maybe the world's greatest technical institute, but it's also a funnel by which public funds end up in the pockets of private corporations. This is where things like the internet were developed, or the computers and other aspects of high technology, mostly at public cost and with the public taking the risks. It's been done under a Pentagon cover, which is a good cover for the electronics-based aspect of high-tech industry. And it went on for decades. I mean, computers and the internet were pretty much in the public sector for about 30 years before they were handed over to private corporations. And the same is true of almost anything else you look at. So it takes civil aviation, which is the largest export. It's almost an offshoot of the Air Force. That's why European and US and Japanese and other countries, one of the main reasons that they are so interested in developing military aircraft, immediate spin-offs into the civilian aircraft industry, which creates the huge tourism industry and so on and so forth. Or it takes just trade. I mean, it's based on containers. Where would they come from? U.S. Navy. Tous les classiques qui étaient Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Stuart Mill, Malthus plus ou moins, tous les classiques de la création de la pensée économique intégraient une pensée sociale. C'était plus des philosophes sociaux que des économistes purs, comme on dirait aujourd'hui. Mais les néoclassiques, à partir de Léon Valras, en gros Auguste et Léon Valras, donc le père et le fils, milieu et fin du 19e siècle, vont inaugurer une espèce de pensée de la science économique qui se dit scientifique. Alors, se disant scientifique, elle se dispense de toute pensée morale ou philosophique. Donc, elle se vide de tout le souci qu'avaient les classiques jusqu'à Karl Marx, qui était le souci suivant, qui fait de l'argent? Pourquoi fait-il de l'argent? A-t-il le droit de faire tant d'argent? Et est-ce juste? Est-ce injuste? Est-ce bon pour la communauté? Est-ce mauvais? Donc il y avait une dimension éthique dans la pensée économique. Et cette dimension éthique a été évacuée avec la pensée néoclassique. Laquelle pensée néoclassique a ouvert la voie, le chemin à la pensée néolibérale,
laquelle pensée néolibérale a ajouté à la pensée néoclassique, en plus de cette espèce de décret scientifique, nous sommes une science, donc nous faisons comme la physique, nous constatons que l'argent va de tel endroit à tel endroit, nous comptons, nous observons, nous classifions, mais nous nous gardons bien de porter un jugement, car la physique, qui est une science, qui est la science des sciences, ne porte pas de jugement. La force de l'économie, c'est qu'elle arrive comme une vérité d'évidence, comme une neutralité. Quelque chose, c'est un discours qui est neutre, qui ne dit ni le bien ni le mal, qui est scientifique, qui a la neutralité de la science, et donc qui arrive comme des choses normales. Il est évident qu'il est normal qu'il faut faire pression sur les salaires pour qu'il n'y ait pas d'inflation. Il est évident qu'il ne faut pas d'inflation. Peu importe que le fait qu'il n'y ait pas d'inflation ait accru les inégalités de façon phénoménale et conduit à la misère un certain nombre de gens dans des pays, ait accru les inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud, et créé une caste de rentiers qui sont en train d'occuper le devant de la scène et fait disparaître le pouvoir des États, soit en train de briser la sécurité sociale, peu importe toutes ces conséquences, il y a une vérité d'évidence, vous n'êtes pas pour l'inflation quand même. Vous n'êtes pas pour l'inflation. Or, si on regarde la vérité et l'histoire, on voit que les moments rarissimes où le capital a été un petit peu muselé, par exemple pendant les 30 Glorieuses, c'était plutôt des périodes inflationnistes où effectivement la part des salaires pouvait augmenter parce que les gens qui empruntaient pour construire leur maison ou des choses comme ça, eh bien, grâce à l'inflation, arrivaient à éponger rapidement leurs dettes. Maintenant, c'est une économie inverse, c'est une économie de rentiers. Alors, on pourrait dire plutôt, voulez-vous que ce soit les rentiers qui dirigent le monde? On préfère dire, vous êtes contre l'inflation, bien sûr. Voilà. Quand l'idée d'éducation nationale est apparue, en gros, c'est au 18e siècle. Tu vois, au 18e siècle, dans la foulée de la Révolution française puis des États-nations en Europe, est apparue l'idée qu'un espace démocratique public va supposer des gens informés de ce qui se passe dans le monde et va supposer des gens qui ont été habilités à réfléchir, à discuter, à prendre part à des discussions politiques. Il y avait deux institutions fondamentales pour assurer ça. Il y avait deux lieux là, par lesquels on va assurer que les gens soient capables de devenir, on employait le mot « citoyen » à l'époque pour désigner ça. C'était l'éducation, qui a donc comme fonction, pas la seule, mais une de ses fonctions importantes, c'est de former des citoyens, c'est de préparer des citoyens. De l'autre côté, les médias. On reviendra sur les médias peut-être plus tard dans la discussion, mais autour de l'éducation, c'est vrai qu'une des missions en droit, ça ne veut pas dire que dans les faits, ça a été bien joué, là. Ça ne veut pas dire que ça a été réalisé correctement non plus, mais en droit, une des missions de l'éducation, c'était de former des citoyens, c'est-à-dire d'habiliter des gens à être capables de prendre part à des débats politiques en étant informés, puis en étant capables de penser aux questions politiques au-delà de leurs intérêts particuliers. C'était ça la chose importante. Pas de penser aux questions politiques, pas intervenir dans un débat économique, socio-politique, du point de vue de mes intérêts égoïstes. Être capable d'en parler du point de vue du bien commun, du point de vue de l'intérêt collectif. L'éducation visait à former ça. Or, dans les transformations liées à ce qu'on appelle faussement, selon moi, le néolibéralisme depuis une trentaine d'années, on a vu que les institutions dominantes se sont rendues compte que c'était un enjeu important d'éducation, qui était important de se l'approprier. Alors, on peut se demander si, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'il pénètre le monde de l'éducation? Alors, je pense que quiconque regarde le dossier se rend compte que c'est vrai. Du primaire jusqu'à l'université, ça varie selon les pays. C'est pas la même chose aux États-Unis, au Canada anglais, au Québec ou en France. Ça dépend de l'histoire de chacun des systèmes. Ça dépend comment il s'est développé. Mais on voit une pénétration massive des corporations, des entreprises, du monde de l'industrie privée dans le système d'éducation. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils le font? Mais les réponses sont assez simples. Hein? C'est-à-dire que, d'abord, c'est un marché, l'éducation. C'est extrêmement rentable. Alors, il est intéressant de s'approprier ce pan-là de l'activité sociale et économique parce que c'est rentable.
Ensuite, ça permet de s'approprier du cerveau des enfants. On peut le dire aussi brutalement que ça. Éduquer, c'est s'emparer du cerveau des gens. Alors, c'est une chose extrêmement, extrêmement cruciale, hein, extrêmement grave que de pouvoir s'emparer du cerveau des enfants. Ça demande une forte justification et je ne suis pas sûr qu'on puisse en donner une simplement, une justification à ce fait-là. Mais quand les entreprises pénètrent le monde de l'éducation, ils visent à s'approprier du cerveau des enfants. C'est-à-dire qu'ils visent à transformer les sujets qui sont là. Et là, à partir de ce moment-là, on voit dévier de la formation vers la citoyenneté, du sens du bien commun. La formation, on la voit dévier vers les intérêts des entreprises privées qui s'approprient le monde de l'éducation. C'est pas la même chose quand on pense le monde du point de vue de la culture, du point de vue du savoir, en extériorité, que quand on le pense du point de vue de ce que nous donne telle ou telle entreprise. Tu comprends? Et donc, ce deuxième élément-là est toujours présent. Donc, appropriation de marché, appropriation du cerveau des enfants, et ensuite, préparation de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que l'éducation va aussi de plus en plus, dans la perspective que je suis en train de décrire, perdre ses autres fonctions de préparation à la vie civique, d'ouverture vers le monde, de pur plaisir de compréhension puis de connaissance désintéressée pour s'orienter vers l'asservissement au marché, c'est-à-dire la préparation de l'ensemble des sujets qui sont éduqués pour des fonctions économiques. L'éducation deviendra le prélude à la vie marchande, le prélude à l'emploi. Ça aussi, c'est extrêmement troublant. Puis on a vu ça depuis... depuis une vingtaine d'années, effectivement, oui, des transformations semblables, avec des résistances, hein, c'est important de le dire. De la même manière que ce phénomène-là se produit, en même temps se produisent des résistances, et c'est tant mieux. Channel One, c'est une compagnie donc américaine, maintenant cotée en bourse, et qui a lancé ce projet qui consiste à aller voir les écoles, qui évidemment manquent d'argent, et leur dire « on va vous proposer du matériel, parce que vous n'en avez plus, on va vous fournir des télévisions, des magnétoscopes ». En échange de quoi, vous allez passer pendant X minutes, je pense que c'est 20 minutes par jour, des émissions à portée pédagogique que nous préparons. Alors, c'est des émissions qui, par exemple, peuvent expliquer l'actualité aux enfants. Alors, l'intérêt, évidemment, d'une chose comme celle-là, c'est qu'on s'adresse à une clientèle captive pendant X minutes par jour, donc les émissions sont proposées. Et vous devinez qu'à travers ces émissions-là, il y a des publicités qui sont passées. Alors, on va mettre quelques minutes de publicité qui permettent à des annonceurs de s'adresser dans un contexte, dans un climat extrêmement privilégié, à cette clientèle captive. Alors ça marche très fort en ce moment aux États-Unis. Chez nous, on a tenté de l'implanter. La compagnie s'appelait Athéna au Canada qui a tenté d'implanter ça. Ils ont fait des efforts soutenus pendant quelques années et largement, les gens ont refusé ici. Les commissions scolaires ont refusé. Il faut dire qu'on n'est pas dans l'état de financement des services publics qu'on trouve aux États-Unis. Mais ça représente un autre des assauts contre l'éducation qui est mené en ce moment-là. Et ça prend toutes sortes de formes, encore une fois, selon les pays, les régions. La compagnie mobile présente des programmes sur l'énergie. Alors, vous allez apprendre la protection de l'environnement avec mobile, comme vous allez pouvoir apprendre la nutrition avec NutraSweet. Je ne l'invente pas, mais NutraSweet a un programme pour apprendre la nutrition aux enfants, comme vous allez apprendre les vertus de l'ALENA avec une GM, comme vous allez apprendre la protection des forêts ou de l'environnement avec des compagnies qui sont principalement responsables de la déforestation. Donc, ultimement, ce modèle-là se répercute là, du primaire jusqu'à l'université, ce qui fait qu'ultimement, on pourrait avoir je le dis à moitié en blague, là, mais des départements d'écologie dans les universités qui vont être des endroits où on va justifier la pollution. Et c'est ça qui est troublant. C'est la perte de sens de certaines activités intellectuelles puis humaines que ça entraîne. Plus nous croyons devenir efficaces économiquement, il faut dire plus exactement financièrement, parce qu'on confond l'économie et la finance, hein, c'est multiplier l'argent. Donc, plus on devient efficace dans la multiplication de l'argent, plus on perd du sens. Alors, est-ce que ça a du sens, par exemple, de dire que General Motors, je prends juste cet exemple, est efficace parce qu'ils ont fait 23, 24 milliards de dollars de profit net dans la dernière décennie, mais en même temps, ils ont fait 300 000 chômeurs? Alors, est-ce que ça a du sens? D'un côté, on dit General Motors est efficace, mais que veut dire cette efficacité? On dit, par exemple, l'économie américaine est plus efficace. Bon, et le plus efficace en indicateur financier, en indicateur de rendement sur capital investi, etc. Mais jamais les États-Unis n'ont eu autant de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. Seuil de pauvreté à l'américaine, bien sûr. Jamais l'Amérique n'a eu autant de gens qui n'ont pas accès à des soins. 40% de la population américaine n'a accès pratiquement à aucun soin de santé. Jamais les États-Unis n'ont eu un niveau d'éducation aussi bas.
50% des Américains ne savent pas situer l'Angleterre sur une carte de géographie. Aujourd'hui, enfin, c'est quand même aberrant. Quand on a la télévision, quand on a tout ça, 50 chaînes minimum par maison. Donc voilà un peu, en gros, ce que j'appelle cette panne de sens. Nous devons être de plus en plus efficaces matériellement, économiquement, financièrement, mais écologiquement, socialement, politiquement, humainement, nous perdons de plus en plus de valeur et de qualité de vie. Voilà cette panne de sens. On ne sait pas en parler parce qu'il faut sortir complètement du discours économique dominant pour pouvoir commencer à mettre du sens. Autrement dit, il faut reformuler le problème depuis zéro. Or, le reformuler depuis zéro, il faut partir depuis Aristote. Aristote, déjà, avait dit, attention, ne confondez pas l'économique, qui vient de l'oikos nomia, la maison et la norme de conduite de la maison et de la communauté, avec la crématistique et créma athos, l'accumulation de l'argent. Alors ça nous amène à la question de l'éducation. En éducation aujourd'hui, jusqu'à quel point enseigne-t-on Aristote? Qui connaît Aristote? Qui lit Aristote? Alors, si je dis Aristote, je peux en dire autant de Victor Hugo, de Jean-Paul Sartre, d'Archimède, etc., etc. Bon, passons. Alors, aujourd'hui, on dit paradoxalement que nous sommes dans l'économie du savoir et de la connaissance, mais on n'a jamais aussi peu éduqué, aussi peu enseigné. Mais en même temps, on n'a jamais mis aussi d'emphase sur les institutions dites de formation et d'éducation. Mais je m'explique où est le paradoxe, où est le non-sens. Le paradoxe et le non-sens sont dans le fait que, à peu près partout dans le monde, et particulièrement en Amérique du Nord, on est en train de transformer l'institution d'éducation en institution de reproduction de serviteurs du système. Autrement dit, d'espèces de bipèdes pensants qui n'ont pas d'autres soucis, qui ne doivent plus avoir d'autres soucis que de maintenir ce marché libre et autorégulé et de maintenir cette mécanique à production et multiplication de l'argent. C'est ce qu'on appelle l'employabilité, c'est ce qu'on appelle former des employables, c'est ce qu'on appelle réformer l'éducation depuis le primaire jusqu'à l'universitaire pour former des gens qui trouvent leur place sur le marché du travail. Or ça, c'est horrible. Est-ce qu'aujourd'hui un Victor Hugo serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Socrate serait employable? Est-ce qu'aujourd'hui un Paul Verlaine, un Rimbaud serait employable? Non. Donc il n'y en aurait pas. Mais que serait l'humanité sans Socrate, sans Aristote, sans Rimbaud, sans Verlaine, sans Victor Hugo? Que serait l'humanité sans ces gens-là? Nous serions des animaux. Alors aujourd'hui, sous prétexte que ce n'est pas employable, que le marché n'en veut pas, eh bien, on ne forme plus de poètes, on ne forme plus de gens de littérature, on ne forme plus de gens de mathématiques pures, on ne forme plus de gens de physique théorique, on ne forme que ce que l'industrie, l'entreprise financière veut pour alimenter la machine à multiplier l'argent. Alors, qu'est-ce que c'est ces employables? Ce sont ceux que je vois moi-même dans les universités dans lesquelles j'enseigne, à travers le monde, c'est-à-dire qu'au niveau le plus élevé, deuxième, troisième cycle, maîtrise, doctorat, c'est ce que j'appelle les technocrates, c'est-à-dire des gens qui, des technocrates analysants, qui sont formés à analyser des problèmes, problem solving, et on leur fait croire qu'ils sont intelligents parce qu'ils font du problem solving. Alors que l'intelligence, ce n'est pas le problem solving. L'intelligence, c'est la formulation des problèmes. Celui qui est intelligent, c'est celui qui formule le problème, qui le met en énoncé, qui le met en termes de liens et de combinaisons, qui appelle une question. C'est celui-là qui est intelligent. Celui qui se penche sur un problème déjà formulé pour trouver l'équation ou la formule qui donne la solution, ce n'est pas lui qui est intelligent. Or, c'est ça qu'on nous fait croire. Donc, des technocrates analysants, c'est des gens qui maîtrisent des techniques d'analyse et de calcul et qui confondent penser, réfléchir avec analyser et calculer. Et ils prennent des décisions sans état d'âme, du genre licencier 60 000 personnes en un jour, doubler son salaire de millions de salaires et dire « je souffre en plus ». Je prends des décisions difficiles. Mais ça, c'est des non-humains. Quelqu'un qui prend des décisions sans état d'âme et qui le dit, c'était quelqu'un qui est en train de dire « je ne suis pas un être humain ». Alors de quel droit le laissons-nous prendre des décisions qui touchent à des êtres humains? Puisque lui dit « je n'ai pas d'état d'âme, donc je n'ai pas d'âme, donc je ne suis pas un être humain ». Alors, voilà les technocrates que nous formons au haut niveau. Au niveau intermédiaire, c'est ce que j'appelle les techniciens producteurs. Ces techniciens producteurs, c'est des serviteurs de machines, des servants de machines, depuis l'ordinateur
jusqu'à la machine numérique qui débite des pièces de plastique ou d'acier ou d'aluminium. Eh bien, ces gens-là sont là pour faire en sorte que cette mécanique automatisée de production ne tombe jamais en panne. Et tout ce qu'on leur demande comme connaissance, c'est la logique de la machine ou de la série de machines dont ils ont la garde. C'est tout. Et encore plus, on leur demande simplement d'être capable de comprendre ce que la machine demande. Alors ce n'est même plus eux qui dominent la machine ou qui ont une espèce de supériorité humaine, de supplément d'âme ou de connaissance ou de sens par rapport à la machine. C'est l'inverse, c'est la machine qui dit, si tu es assez intelligent, voilà où la puce qui cloche, voilà l'endroit où il faut changer la carte, voilà, etc. Et puis s'il n'est pas assez rapide pour faire ça, il n'est pas bon. Alors, et au niveau inférieur, qu'est-ce qu'on forme? Bien, on ne forme plus. 45% de la main-d'œuvre des multinationales américaines en particulier sont analphabètes totaux. Et les multinationales ne veulent pas changer ça. Elles ne veulent pas qu'on leur forme le moindrement ces gens analphabètes. Parce que s'ils ne sont plus analphabètes, ils vont se mettre à poser des questions. S'ils se mettent à lire des journaux, des analyses, ils vont se mettre à poser des questions. Ils vont se mettre à se syndiquer. Ils vont se mettre à réfléchir. Donc, surtout pas. Alors, nous avons aujourd'hui, particulièrement en Amérique du Nord et aux États-Unis encore plus, des diplômés du primaire et du secondaire qui sont à peu près dans une proportion qui est assez hallucinante, qui atteint chez nous en tout cas 1 sur 4 au Québec. Et aux États-Unis, si on regardait les vrais chiffres, je suis sûr qu'on approcherait de la même proportion, sinon plus, qui sont diplômés et qui sont analphabètes, qui savent à peu près ni lire ni écrire, mais ils ont un diplôme. Et ce diplôme primaire ou même secondaire, ils l'ont obtenu par l'ancienneté, tout simplement par la présence et par l'âge. Et ça, ça arrange le système. Parce que quand vous avez des opérateurs à la base qui sont des bipèdes quasi décérébrés, c'est-à-dire à qui on n'a même pas appris à penser, parce que pour apprendre à penser, il faut apprendre à lire. Et il faut lire. Si je veux apprendre à penser, il faut que je lise Victor Hugo. Il faut que je lise des poèmes, il faut que je lise des philosophes, il faut que je lise, c'est ça qui m'apprend à penser, des écrivains. Je ne peux pas penser sans me mettre des mots et des façons de manipuler ces mots dans ma tête. Alors si je n'ai pas ça, je ne peux pas penser. Donc, je peux devenir un excellent reproducteur du système qui ne pense pas et qui défend le système. Alors vous avez maintenant des ouvriers qui disent, et ça m'est arrivé, quand je vais dans des situations graves où il y a des fermetures, des mises à pied, etc., et puis je pose la question à des ouvriers, mais qu'est-ce que vous en pensez? Très souvent, ils me disent, mais c'est la loi du marché, c'est la compétitivité. Il faut qu'on soit plus compétitif que les Japonais, sinon ils deviennent les défenseurs du système qui est en train de les broyer. Tantôt, on a commencé une discussion en essayant de voir comment il y a des réseaux par lesquels les idées circulent. Alors, dans le cas de l'éducation, c'est un peu la même chose. Alors, on va trouver des justifications idéologiques, des théoriciens, des gens qui ont pensé le monde de l'éducation en souhaitant sa transformation dans le sens que je vais décrire. D'un autre côté, on a aussi des institutions transnationales puissantes où on va véhiculer le même discours, puis forcer, inciter les acteurs, les gouvernements, les professeurs à adopter des pratiques conformes à ces idéaux. Et finalement, on va avoir des groupes de pression, des think tanks, où on va s'efforcer de réaliser la même chose. Alors, dans le cas de l'éducation, c'est assez frappant, parce que les trois se trouvent, tu vois. Le théoricien de l'éducation le plus influent des 50 dernières années, c'est pas un penseur de l'éducation ou un pédagogue, c'est un économiste. Alors, je dirais que, vraisemblablement, le plus important théoricien de l'éducation, c'est un monsieur qui s'appelle Gary Becker. Alors, il est toujours vivant, il enseigne à l'Université de Chicago. Et ce qu'il a développé, s'explique en 5 minutes, c'est la théorie du capital humain. C'est l'idée selon laquelle l'être humain et ce qu'il sait constituent un capital dans lequel il faut investir et qu'il faut évaluer du point de vue de sa rentabilité économique. Alors, cette théorie-là, qui est la théorie du capital humain, qui permet d'appliquer des outils mathématiques de l'économie à la question de l'éducation, désormais envisagée comme du capital, un capital d'un certain ordre, mais qu'on peut comptabiliser comme tous les autres. Cette théorie-là a été la plus influente dans le monde au cours des 50 dernières années. Elle a été la plus influente, je veux dire, dans les lieux où ça compte, c'est-à-dire dans les lieux où on influence les décideurs, dans les lieux où on influence les États, dans les lieux où on influence les ministres de l'Éducation, dans les lieux où on influence ceux qui vont prendre des décisions sur l'éducation. Le deuxième théoricien qui va mettre en place les mécanismes qui vont s'imposer maintenant, c'est Milton Friedman. Alors, Friedman, le père de l'économie monétariste,
qui lui va proposer un système de vouchers, c'est-à-dire de bons d'éducation. L'idée étant là encore de faire pénétrer les mécanismes du marché au sein de l'éducation et de mettre en concurrence les écoles les unes contre les autres. Ces deux conceptions de l'éducation, ces deux théories de l'éducation dont on parle vraisemblablement jamais dans les facultés d'éducation, sont probablement les plus influentes des pensées de l'éducation des dernières années. Et c'est elles qui vont circuler ensuite au Fonds monétaire international, au sein de l'OCDE, au sein de la Banque mondiale. On va analyser les systèmes d'éducation nationaux du point de vue de ces outils-là, en faisant des recommandations allant dans le sens de ces outils-là. Historiquement, on dit souvent qu'Hitler a inventé l'idée de propagande. C'est vrai qu'on va souvent lire dans les journaux ou ailleurs l'idée que Hitler, lors de la Deuxième Guerre mondiale, a compris le rôle de la propagande. Et c'est vrai que lors de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a compris l'importance de la propagande dans une société. Pourtant, il l'a pas inventé. Il l'a appris de nous. Quand je dis nous, c'est-à-dire qu'il l'a appris des démocraties occidentales. Il l'a appris en particulier des Anglais et il l'a appris des Américains. On peut dire en gros que depuis l'avènement des sociétés modernes, deux tendances prévalent. La première dit qu'il faut une démocratie participative où les gens sont au courant de ce qui se passe dans le monde et puissent en discuter, agir et influer sur les décisions qui sont prises. De l'autre côté, on a une vision du monde qui dit qu'il y a une partie de la population qu'il faut écarter. Il y a une partie de la population dont il faut s'assurer qu'ils ne s'occuperont pas des questions qui les concernent. Cette vision de la société, du monde et de l'économie, elle existe aussi dans notre culture. Et un des lieux où on l'a vu s'incarner de manière extrêmement forte, c'est pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis. Alors, pendant la Première Guerre mondiale aux États-Unis, le gouvernement élu avait été élu sur une promesse de non-entrée en guerre. Et peu de temps après son élection, pour des raisons qui tiennent à la politique intérieure en particulier et au rôle des industriels aux États-Unis, le gouvernement a décidé d'entrer dans ce conflit, de participer à ce conflit-là. Il s'est donc trouvé avec un problème grave, c'était de faire face à une population opposée à l'entrée en guerre. Pour résoudre ce problème-là, ils ont créé une commission qui porte le nom du journaliste qui va la présider, M. Creel. Cette commission s'appelle donc la commission Creel. Et cette commission-là va largement inventer les techniques modernes de propagande, les techniques modernes de façonnement de l'opinion, de préparation de l'opinion publique. Dans cette commission Creel, qui va réussir magnifiquement à accomplir le mandat qu'on y avait confié, c'est-à-dire qu'elle va retourner l'opinion publique en quelques mois. Dans cette commission Creel, des gens extrêmement célèbres et connus vont travailler, des intellectuels de renom, et aussi quelqu'un qui s'appelle Edward Bernays, qui est le fondateur de l'industrie moderne des relations publiques. Alors, ces gens-là, quand ils vont quitter la commission Creel ensuite, vont mettre sur pied des outils de communication à l'intérieur de nos sociétés qui sont encore présents aujourd'hui et qui font partie de l'ensemble des mécanismes de propagande. Alors, il y a là une visée politique extrêmement importante qui est vraiment d'exclure une partie de la population, de façonner l'opinion publique, de construire les consensus à l'intérieur de la société. Ces institutions qu'ils ont inventées, et je parlais des firmes de relations publiques, mais aussi la conception moderne du rôle des entreprises, du rôle des relations publiques au sein des entreprises, de la communication sociale, des médias, du rôle des intellectuels, du rôle de la publicité, du rôle de l'information en général dans notre société, tout ça va se mettre en place, et c'est cette leçon-là qu'Hitler va retenir, avec raison d'ailleurs. Alors comment se sont mis en place les mécanismes qui font aujourd'hui qu'on a une pensée unique? Bien, ils sont les descendants de ce que je suis en train de décrire. C'est-à-dire, ils sont les descendants de la commission Creel, ils sont les descendants, si on remonte encore plus loin dans le temps, ils sont les descendants de cette conception du politique selon laquelle une société doit, pour fonctionner, exclure une partie de sa population. Et je pense que c'est aussi ce qu'on trouve. Mais en même temps, si les acteurs que je décris sont extrêmement puissants, extrêmement forts, extrêmement nombreux, il y a aussi un contre-discours qui se manifeste. Il y a aussi dans notre société des lieux où d'autres analyses sont proposées. Il y a des médias alternatifs, il y a des intellectuels, il y a des groupes sociaux, il y a des groupes communautaires où se prépare une nouvelle pensée. Donc, on a ce double phénomène-là. Et malheureusement, de manière massivement prévalente, la pensée unique existe, la propagande existe, puis elle remplit le rôle qu'elle remplit. Alors, donc, c'est à travers des mécanismes, des institutions comme celle-là,
qu'une vision du monde, un vocabulaire, une manière de penser, une manière de concevoir le monde fait en sorte que certaines questions peuvent être posées, que certaines réponses peuvent être données, que certaines analyses peuvent être faites, alors que d'autres sont exclues. L'idéologie dominante actuellement, que j'appelle une idéologie ambiante, qui a sa face officielle, qui est la pensée unique, dont on parlait tout à l'heure, et qui a sa face officieuse, qui est finalement ce langage que les médias, ou cet ensemble de conduites que prescrivent les médias dans leur ensemble, cette idéologie-là, elle n'apparaît jamais comme une idéologie. Elle est présentée comme quelque chose de bien naturel, comme quelque chose qu'il est évident que l'on fasse. Il doit être évident d'avoir une télévision. Comment peut-on ne pas avoir de télévision au XXe siècle ou à la fin du XXe siècle? Il est évident d'accepter le système publicitaire. Vous n'allez quand même pas, vous n'allez quand même plus, en 2000 et des poussières, mettre en cause le système publicitaire, etc. Vous voyez, c'est-à-dire que tout ce qui est idéologique, tout ce qui est choix que le système à organiser et sur lesquels on ne nous a pas demandé notre avis, nous est présenté comme des évidences, comme des choses qui vont de soi et que l'on n'a pas même à discuter. Bon, ça, c'est très intéressant. Et alors, effectivement, à propos de la pensée unique, qui est une manière uniforme, partielle et sectaire d'interpréter l'économie ou de l'affaire, Alain Minc avait dit, ce n'est pas la pensée qui est unique, c'est la réalité. À partir de ce moment-là, il n'était pas question de mettre en cause ce que faisait l'économie libérale ou ultralibérale. C'était donné comme la réalité. Et donc, il fallait suivre la réalité. Alors, par exemple, la mondialisation, on va vous dire, c'est une réalité. Bien sûr que c'est une réalité, mais ça n'est pas nécessairement une bonne réalité. Or, l'idéologie dit, c'est une réalité, donc c'est valable, donc il faut aller dans ce sens-là. La globalisation, même chose. La privatisation, même chose. Ça se fait, donc ça doit se faire. Donc il fallait le faire, etc. etc. Donc on présente sous forme de fait accompli les choses qu'il faut faire accepter par les gens au lieu de leur demander s'ils sont d'accord ou pas. Bon. Alors naturellement, ça rejoint ce que je disais dans mon livre sur le sophisme de l'inéluctable. La plupart des politiciens couvrent leurs actions, leurs choix, car ce sont des choix et des décisions, sous l'espèce de l'inéluctable. On ne pouvait pas faire autrement. C'était écrit. Les Américains font ceci. Or, tout le monde sait qu'en France, il se produit toujours ce qui se produisait 10 ans avant aux États-Unis. Donc, il fallait le faire en France. La société Renault a fermé une usine en Belgique. Pour, naturellement, restructurer et créer ailleurs d'autres usines qui faisaient le même travail, mais avec des gens qui étaient payés moins cher. C'était donc le fruit d'un calcul économique. Bon. Sur la fermeture de cette usine, le chef de l'État français a déclaré la chose suivante. La fermeture des usines, c'est aussi, hélas, la vie. Les arbres naissent, vivent et meurent, les plantes, les animaux, les hommes et les entreprises aussi. Alors ça, c'est un bon exemple, effectivement, de naturalisation de ce qui se passe, qui est en fait une dépolitisation. Donc, les gens sont donc obligés d'accepter comme étant naturel, comme étant indépendant de la volonté des politiques, un certain nombre de décisions qui, en fait, sont dépendantes. Voilà. C'est comme ça qu'on manipule finalement le citoyen et qu'on le dissuade de croire en son propre vote, à la limite. Aujourd'hui, le fonctionnement même des médias permet la création de la vérité. Évidemment, la vérité ne peut apparaître que de la confrontation, disons de la vérification d'une version qui est donnée avec, recoupé par un certain nombre de témoins. On sait à quel point, d'ailleurs, c'est difficile d'établir la vérité. On le voit avec les juges d'instruction, on le voit avec les scientifiques qui analysent, qui essaient de découvrir la vérité. C'est difficile. Mais aujourd'hui, dans le fonctionnement des médias, il suffit qu'à propos d'un événement, si vous voulez, tous les médias disent la même chose, la presse écrite, la radio, la télévision disent la même chose,
pour que cette chose qu'ils disent, eh bien, c'est riche en vérité, même si c'est faux. On l'a vu pendant la guerre du Golfe, on l'a vu au cours de méga événements récents. Donc, par conséquent, c'est établir cette espèce d'équation qui est fausse, bien sûr, que la répétition vaut démonstration. Et je relisais dernièrement Le meilleur des mondes, vous savez, Brain Be World d'Aldous Huxley. Et j'ai retrouvé une phrase à un moment à propos de l'hypnopédie, vous savez, cette espèce d'hypnose par l'écoute que l'on fait faire aux petits-enfants quand ils naissent, pour les persuader d'être heureux d'être ce qu'ils sont. Et l'un des gestionnaires, des directeurs du centre de conditionnement, c'est comme ça ce qu'on appelle le centre de conditionnement, dit cette phrase, il dit « 64 000 répétitions valent la vérité ». Eh bien, nous sommes maintenant dans le monde d'Huxley. It's rather striking to see how every element of the neoliberal package is specifically designed to undercut democracy. It's rarely discussed, and people talk about its economic effects. But just think it through. Let's take, say, financial liberalization core. For Keynes, the greatest achievement of the Bretton Woods system, post-war system, was to institute financial regulation. And there's a reason. That provides space for governments to undertake programs that are supported by the population. If you have no constraints on capital flow, then you can attack currencies freely. Now that creates what international economists sometimes call a virtual parliament of investors and lenders who can, I'm quoting from technical literature, it can carry out a moment-by-moment referendum on government policies. And if they think the policies are irrational, they can vote against them by capital flight or by attacks on the currencies and so on. The policies that are irrational are, by definition, those that benefit people but don't improve profit and market access and so on. And therefore, governments face what's called a dual constituency, their own population and the virtual parliament, and the virtual parliament usually wins, especially in poor countries. The rich countries sort of was modulated, you know, then first of all they didn't accept the neoliberal package as completely as say Latin America, but to the extent that they did, the effects are predictable. And the same is true of other elements of the neoliberal programs. So take say privatization, which became a mantra. Well, by definition, privatization undercuts democracy, takes something out of the public arena and puts it into the hands of unaccountable private tyrannies that are created and supported by the state, which is what
corporations are. Autrefois, la quasi-totalité des opérations des banques, c'est-à-dire jusqu'à les années 70, était suivie. Parce que toutes ces opérations passaient via la Banque centrale française, qui donc avait une trace. Bon. Maintenant, le problème, c'est que les banques font des transactions de gré à gré. Donc elles ont sorti à peu près la moitié, un peu plus de la moitié de leur chiffre d'affaires, si tu veux. C'est du chiffre d'affaires de gré à gré qui est en dehors du contrôle du marché. C'est un petit peu comme s'il y avait le marché normal, hein, et puis à côté, un marché noir. Tu as un épicier où effectivement, il y a les prix qui sont affichés, on sait ce qui se passe, que tu achètes, on compte la caisse à la fin. Et puis à côté, tu as du marché noir, tu ne sais pas ce qui se passe. Bon. Et la Banque de France dit dans ses bilans, elle dit, lorsqu'elle contrôle les bilans des banques, elle dit, bon, il y a à peu près la moitié des transactions que les banques font hors bilan, c'est-à-dire hors dehors de tout contrôle d'une autorité supérieure. Que ce soit un trésor public, que ce soit une banque centrale, etc. Voilà. Alors, ces activités hors bilan font que les États ne sont plus rien. Tu comprends? Tu as à peu près, je ne sais pas, mais il va y avoir minimum 500 milliards de dollars qui circulent tous les jours dans des fonds offshore, des trucs comme ça. Bon, il est évident que si une banque est emmerdée par un État, elle s'en fiche. Elle va tout de suite s'approvisionner avec une de ses correspondantes étrangères, une banque multinationale comme elle, sur un fonds offshore ou ailleurs. Donc, elle n'a plus de problème de... L'argent est libre maintenant, hors de tout contrôle de l'autorité publique. Alors, le hors-bilan, c'est l'un des problèmes les plus graves qui soient, parce qu'il est évident que si on veut contrôler l'économie, il faut d'abord contrôler l'argent. Basiquement, c'est des contrats d'assurance. C'est-à-dire que tu t'assures sur des fluctuations futures, sur des fluctuations de taux d'intérêt, sur des fluctuations de monnaie. Tu passes un contrat avec quelqu'un, tu dois payer dans 6 mois, tu passes le contrat en dollars, d'accord? Bon, et si le dollar monte, tu vas être bien emmerdé, parce que quand il faudra payer dans 6 mois, tu vas être obligé d'acheter des dollars qui valent 10% de plus aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu prends un contrat d'assurance là-dessus. Tu prends un contrat d'assurance sur la valeur du dollar. Et un gars prend le risque à sa charge, donc il te fait payer un petit truc en plus, 3-4% au départ, mais quelle que soit la hausse ou la baisse du dollar, auquel cas il est vachement gagnant, si c'est une baisse du dollar, eh bien toi tu ne bouges pas, donc tu as pris un contrat d'assurance. Donc c'est ça les produits dérivés. Alors, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il s'est créé une économie du risque, puisque les monnaies sont plus contrôlées, les flux de capitaux sont plus contrôlés, etc. Donc c'est une économie où on entretient le risque, de façon à créer par-dessus ce système, un système de contrat d'assurance qui permet de couvrir les risques. Mais la différence avec les risques de type accident de voiture, c'est que les accidents de voiture, c'est tout à fait prévisible, parce que c'est la loi des grands nombres qui joue. Tandis que les risques qui sont sur les marchés financiers, ce sont des risques qui sont trop... Ce sont des épiphénomènes qui sont rares, qui sont... que tu ne peux pas quantifier statistiquement. Donc ce sont des risques absolus, que tu ne peux absolument pas prévoir. Donc en fait, ces contrats d'assurance qui coiffe l'économie normale, crée une deuxième couche qui est encore plus risquée. Donc ce qui se passe, c'est que parfois, les gens se couvrent pour couvrir les contrats d'assurance. Tu vois jusqu'où ça peut aller. Donc finalement, tu crées une pyramide de risque. Et effectivement, tu crées une... Bon, et puis des gens spéculent là-dessus. Donc tu crées une économie qui est purement spéculative en entretenant le risque. L'une des caractéristiques du capitalisme contemporain, c'est que c'est une économie où le risque financier est systématiquement entretenu et systématiquement marchandisé. OK ? Voilà. Thank you.
Bon, d'abord, la spéculation a plusieurs instruments. Et sans entrer dans les détails techniques, j'aimerais illustrer ce qui s'est passé dans la crise asiatique en 97, qui a mené en fait à l'effondrement des devises de plusieurs pays, et les pays qu'on croyait, qu'on catégorisait comme étant les tigres asiatiques, comme ayant une économie performante, etc. Il y a eu différents facteurs dans cette crise, mais je pense qu'un des éléments fondamentaux était la déréglementation préalable du marché des changes. Dans certains cas, cette déréglementation a été, elle a été imposée, ou voire même elle a été recommandée par le Fonds monétaire international. Maintenant, les spéculateurs, en fait, se sont emparés des réserves des banques centrales par un mécanisme qui est le suivant. Ils ont spéculé contre les devises nationales par ce qu'on appelle le short selling. Alors, mettons, je veux faire le short selling du won coréen. Alors, je commence à vendre des quantités énormes de won coréen qui sont livrables à une date future. C'est des contrats de 3 ou de 6 mois. C'est-à-dire qu'à l'échéance du contrat, je vais devoir livrer des quantités énormes de won coréen ou de baht thaïlandais. Mais je ne les possède pas. Alors, je peux en vendre autant que je veux, OK? Je veux vendre par milliards et milliards de dollars des won coréens. Qui est-ce qui rachète les won coréens? Eh bien, la Banque centrale de Corée, qui est tenue selon les accords avec le Fonds monétaire international de soutenir sa monnaie. Mais techniquement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque la monnaie coréenne a chuté quelques mois plus tard, les contrats de short selling viennent à échéance, et c'est à ce moment-là qu'il y a une appropriation des réserves de cette banque centrale, parce que la monnaie nationale ne vaut plus rien et les spéculateurs n'ont qu'à racheter les won coréens sur le marché spot. Et ensuite, ils remboursent, ils remplissent les termes de leur contrat. Alors, la banque centrale est en train de racheter sa propre monnaie, ce qui n'est pas très rentable. Et en échange, ses réserves sont confisquées et vont dans les poches des grandes banques occidentales. C'est ça le mécanisme. Maintenant, les réserves sont mises à sac. Et ceci veut dire que la Corée, maintenant, doit aller auprès du Fonds monétaire international et leur demander nos réserves sont à sac, on ne peut pas fonctionner sans réserve, on doit rembourser, en fait, cet argent n'est même pas encore acheminé vers les créanciers, on doit rembourser les créanciers qui sont des spéculateurs. Alors, que se passe-t-il? Lorsque le Fonds monétaire international octroie un prêt de l'ordre de 56 milliards de dollars, il y a la participation d'un certain nombre de pays, dont en fait, il y avait 24 pays, parce que ça requiert des sommes absolument énormes. Alors, c'est le Trésor américain, c'est le Trésor canadien, c'est les principaux gouvernements occidentaux. Mais alors, pour que le Trésor américain ou le Trésor canadien ou d'un autre pays occidental émette un prêt de l'ordre de 56 milliards,
il faudra qu'ils augmentent leur niveau de dette. Et ça veut dire qu'il faut qu'ils commencent à vendre et qu'ils commencent à transiger leur dette sur les places boursières. Donc, c'est le marché de la dette. Et qui contrôle le marché de la dette? De la dette souveraine des pays occidentaux, ces mêmes banques qui sont les spéculateurs. Alors vous avez une espèce de circuit ici. On attaque la Corée, on vient à sa rescousse, on confisque ses réserves, on lui prête de l'argent à même les fonds publics des différents gouvernements occidentaux et pour augmenter l'endettement des pays occidentaux, il faut l'aval de ces banques. Des secteurs bancaires privés qui sont les underwriters de la dette des pays. Donc, en fin de compte, tout le monde s'endette, sauf bien sûr les spéculateurs qui sont les créanciers de la Corée, mais également les créanciers des gouvernements occidentaux qui viennent à la rescousse de la Corée par l'entremise du programme du FMI. Et alors, qu'est-ce qui se passe? L'économie coréenne est vouée à la banqueroute. Ses actifs bancaires et son industrie de haute technologie sont vendus à rabais. Et en fait, ce qui est en train de se réaliser, c'est le transfert de toute la richesse industrielle de ce pays vers des investisseurs étrangers américains. À tel point qu'en fin de compte, ces actifs sont pratiquement pris en charge pour des sommes absolument dérisoires. Je vous donnerai un exemple d'une des principales banques coréennes qui a été restructurée sur les recommandations du Fonds monétaire international suite à cette opération, parce qu'il y avait des conditions rattachées à ça. Eh bien, cette banque a été vendue pour 450 millions de dollars, c'est Korea First Bank. Elle a été vendue à des investisseurs de Californie, de Texas, pour 450 millions de dollars. Mais une des conditions de cette vente, c'est que le gouvernement coréen finance les mauvaises dettes de cette banque par des octrois, par des subventions qui sont 35 fois le prix d'achat, c'est-à-dire de l'ordre de plus de 15 milliards de dollars. Alors, ces investisseurs américains arrivent en Corée et du jour au lendemain, ils obtiennent contrôle sur tout l'appareil financier local, les banques commerciales, et en même temps, ils détiennent les dettes des grandes sociétés coréennes comme Hyundai ou Daewoo, etc. Et ils sont en mesure de dicter la fracture de ces grandes sociétés. On sait que Daewoo maintenant a été vendu à General Motors, ou une partie. On sait que d'autres sociétés coréennes vont être vendues. Et alors, par un mécanisme qui, au point de départ, était basé sur la manipulation des marchés financiers, on prend possession d'une économie dans son ensemble. Thank you.
Washington, où siège la Banque mondiale et le FMI, va se mettre à dicter au reste du monde, surtout aux pays faibles, évidemment, aux pays les plus pauvres, aux pays en quasi-banqueroute, comment appliquer la bonne science économique. Ça va s'appeler les mesures d'ajustement structurel, ou le plan d'ajustement structurel, dicté notamment par le FMI, avec les prêts de la Banque mondiale à côté, aux différents pays qui vont être concernés. Alors, il y a eu des dizaines et des dizaines et des dizaines de pays précipités dans le chaos à cause, justement, des mesures du FMI et de la Banque mondiale. Alors, il y en a beaucoup de ces mesures, ce serait trop long de détailler entre mesures d'ajustement des fondamentaux, mesures d'ajustement des cycles de court terme, etc. Bon, passons. Mais en gros, disons qu'on peut résumer ces mesures à peut-être trois ou quatre les plus importantes. Première des mesures qu'on imposait à ces pays qui étaient en voie de cessation de paiement, donc de misère absolue, c'était le non-déficit gouvernemental ou la réduction du déficit gouvernemental, c'est-à-dire la réduction des dépenses de l'État. Donc réduire l'État, réduire les dépenses de l'État. Alors, privatisation, qui va acheter ? Des opérateurs locaux, il n'y en a pas. S'il y avait de l'argent local suffisant pour acheter des compagnies entières de pétrole ou de phosphate, de fer, le pays ne serait pas dans la misère dans laquelle il est. Donc, on en arrive à aggraver l'extraversion de ces économies des pays du tiers-monde ou des pays les plus démunis en faisant en sorte qu'ils bradent les derniers intérêts économiques qui étaient nationaux à des intérêts étrangers. Donc, ce sont des multinationales qui se mettent à acheter, en plus de délocaliser, puisque dans ces pays-là, évidemment, là, ça va être la vérité des salaires qui va nous expliquer ça, la vérité des prix. Dans ces pays-là, il revient de moins en moins cher aux multinationales de produire que de continuer à produire dans leur pays d'origine. Mais en plus, ces multinationales vont pouvoir se procurer à vil prix des installations, des capacités de production, par exemple de production et de traitement de sucre ou de production et de pré-traitement de pétrole ou de gaz ou de liquéfaction de gaz ou d'acheminement de minerais, etc., à vil prix, qui ont coûté des années et des années à l'économie nationale de ces pays-là. Dévaluation de la monnaie locale, ça veut dire que tout d'un coup, pour des pays déjà pauvres, tout ce qui est importé devient tout d'un coup proportionnellement plus cher que le niveau de dévaluation de la monnaie. Par exemple, quand le franc CFA a été dévalué tout d'un coup de moitié, début des années 90, si j'ai bonne mémoire, eh bien, tout d'un coup, pour à peu près quoi, le tiers de l'Afrique ou plus, qui avait le franc CFA comme monnaie, se retrouve avec une monnaie qui a un pouvoir d'achat qui dégringole de moitié, du jour au lendemain. Donc, votre salaire qui vous permettait jusque-là de vivre avec un certain niveau de vie, ne vous permet plus que la moitié de ce niveau de vie-là. Alors, ça, c'est une inflation immédiate de 100%. Alors, combiné à ça, le fait que les produits semi-manufacturés, les produits manufacturés, les produits raffinés, tout ce que vous voulez, que l'Afrique, si je ne prends que l'exemple de l'Afrique, importe de l'étranger, donc l'Afrique de la région CFA, tout d'un coup, avec la dévaluation de moitié du franc CFA, tous ces produits-là sont deux fois plus chers. Vous combinez ça avec les effets de la dévaluation localement de la monnaie et vous avez des produits et services qui vous coûtent tout d'un coup 4, 5, 6 fois plus cher. Mais vraiment du jour au lendemain. Alors vous ajoutez le temps et vous voyez tout ce que l'a fait parce que les produits locaux qui sont faits à partir de semi-produits ou de produits semi-finis importés ou qui ont besoin de liants, de collants, de solvants, de peintures, de je ne sais quoi importés, évidemment, sur l'onde un peu plus longue, un mois, deux mois, trois mois, six mois plus tard, deviennent deux, trois, quatre fois plus chers qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, si on mesure les effets sur d'obliger comme ça les pays, donc les plus pauvres, où le FMI, la Banque mondiale interviennent, à accentuer la production des produits exportables, on les met en concurrence entre eux, sur les mêmes produits, par exemple les pays producteurs de café, se mettent tout d'un coup à produire tous
de plus en plus de café, le cacao, le pétrole, c'est le même cas. Bon, la bauxite, bon, je sais pas, mais enfin, peu importe, le sucre, le blé, tous les pays, donc tous les produits pardon, de base, voient leur prix évidemment chuter parce qu'on assiste à une surproduction. Alors non seulement leur prix chute, les pays sont mis en concurrence entre eux, mais en plus tout cela se combine à l'effet d'inflation dont je viens de parler par la dévaluation de la monnaie et l'augmentation donc automatique de tout ce qui est importé par l'économie nationale. Donc on assiste à cette espèce d'inversion de l'intérêt de ces pays, alors qu'on prétend vouloir leur intérêt, déjà par ce premier phénomène, c'est que, ça veut dire que tout ce qu'ils importent leur coûte de plus en plus cher, et tout ce qu'ils exportent leur apporte de moins en moins. Alors ils rentrent donc dans une spirale de surendettement qui fait qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, en 2002, le service de la dette de la plupart des pays les plus pauvres, je parle de pays comme le Bangladesh, comme le Rwanda, comme je sais pas, le Burundi, comme le Togo, comme des pays comme ça, qui sont déjà au 250e sous zéro, juste le service de la dette peut représenter jusqu'à 600 fois leur recette d'exportation. La vérité des prix, ça devient ceci. Plus de subventions pour les produits de première nécessité ou de dignité du citoyen, donc on ne subventionne plus les logements, on ne subventionne plus la santé, l'huile, le riz, etc. Bon, le transport, bon, subventionne plus rien, et on décrète la vérité des prix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes de dollars, tous les prix deviennent équivalents à l'échelle de la planète. Autrement dit, si vous voyagez en dollars, comme moi, donc, puisque je suis citoyen canadien, mais je voyage en dollars, avec des dollars, partout dans le monde, les mêmes produits et services vous reviennent à peu près au même prix. Alors que vous alliez au Cotonou, au Bénin, dans l'un des pays les plus pauvres du monde, ou que vous alliez à Chicago, à New York ou à Paris, votre chambre de Holiday Inn, ou votre chambre de Sheraton, votre repas Holiday Inn, vous le payez à peu près le même prix en dollars dans le monde. Bien. Mais à Cotonou, capitale du Bénin, l'un des pays les plus pauvres du monde, une nuit de Sheraton où je vais dormir quand je vais à Cotonou, c'est 6 mois de salaire d'un employé de la fonction publique du Bénin. Un repas dans cet hôtel, dans le restaurant de cet hôtel de Cotonou, c'est une semaine de travail d'un petit fonctionnaire du Bénin. Après la vérité des prix, la vérité des salaires, en fait, ça consiste en une formule lapidaire, comme ça, à faire glisser tous les salaires vers les salaires les plus bas par secteur. Et ce, avec le mouvement soi-disant de libéralisation ou de libération de l'échange. Alors je m'explique. Quand on décrète par exemple l'ALENA, zone de libre-échange Mexique, États-Unis, Canada, les salaires vont tout naturellement glisser du niveau américain vers le niveau mexicain. C'est ça qui va se passer puisqu'on met en concurrence les travailleurs mexicains avec les travailleurs canadiens et les travailleurs américains. Alors, en délocalisant au Mexique, on prétend que l'ALENA a créé de l'emploi au Mexique, à ceci, etc. Bon, en termes nets, à peu près quoi, 6 ans, 7 ans après l'ALENA, eh bien, en termes nets, les salaires dans toute la région du León ou du nord du Mexique où se sont installées les multinationales américaines, qui ont fermé proportionnellement aux États-Unis, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu des suppressions d'emplois payés à des niveaux très élevés par rapport au Mexique pour créer, entre guillemets, des emplois au Mexique, mais payés infiniment moins. Alors, depuis les dernières 5 années, le niveau moyen des salaires dans cette région-là, la plus active, soi-disant la plus riche du Mexique où les multinationales américaines ont délocalisé, le salaire a baissé en termes nets de valeur d'achat de 23%. Ça veut dire qu'il y a 5 ans, un ouvrier chez General Motors installé dans le nord du Mexique pouvait survivre avec une famille d'un enfant, peut-être 2 enfants. Aujourd'hui, le même ouvrier ne peut plus
subvenir qu'aux besoins de sa propre personne, donc survivre tout seul. Et vous savez que quand, à la veille du sommet qui va se tenir dans le nord du Mexique, là, eh bien, on est en train de construire à Monterrey un mur pour cacher les bidonvilles. Il y a un mur de 3 mètres de haut qu'on est en train de construire sur des kilomètres pour que ceux qui viennent assister au sommet ne voient pas la pauvreté qu'elle a. Donc, alors, la vérité des salaires, c'est ça. C'est faire glisser les salaires depuis les plus élevés vers les plus bas par secteur. Et comme maintenant les secteurs les plus modernes comme l'informatique, l'électronique, etc., sont de plus en plus utilisables ou exploitables dans le tiers-monde, vous avez des compagnies aériennes complètes, par exemple, Swiss Air le faisait, je crois, d'autres compagnies aussi, de sidérurgie, tout ce que vous voudrez, qui font toutes leurs exploitations comptables, financières, informatiques, par exemple à Bombay, en Inde. Et à Bombay, un expert comptable qui vous fait le même travail qu'un expert comptable en Suisse ou au Canada vous coûte 100 fois moins cher. Un informaticien qui vous fait les mêmes programmes d'exploitation de vos avions vous coûte 200 fois moins cher. Donc, et ainsi de suite. Alors, c'est ça qu'on appelle la vérité des salaires. Mais moi, ce qui m'ennuie dans tout ça, c'est que toutes ces mesures, quand on les combine, rappelons-nous, hein, depuis la dévaluation, les exportations, le paiement des services de la dette, les privatisations, rétrécissement du budget de l'État, qui est obligé de licencier, donc de fabriquer plus de chômeurs, etc. Toutes ces mesures combinées avec vérité des prix et vérité des salaires, eh bien, on en arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire que les pays riches sont infiniment plus riches et les pays pauvres sont infiniment plus pauvres. Et moi, je vois avec effarement la Banque mondiale et le Fonds monétaire international essayer de faire encore en Argentine ce qui a précisément massacré l'économie de l'Argentine. Alors, c'est comme si on ne tirait aucune leçon de l'histoire. Alors, pourquoi ne tire-t-on aucune leçon? Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on a intérêt à ce que cette idéologie qui explique le monde continue à survivre tant et aussi longtemps que la planète, dans son ensemble, est exploitable dans ce sens-là. Au Fonds monétaire international, le droit de vote s'exerce au sein du conseil, conseil de direction. Maintenant, c'est un droit de vote qui est basé sur la participation financière ou la contribution financière de chacun des États. En fait, c'est les actionnaires du Fonds monétaire international. Et la même chose pour la Banque mondiale. C'est pas comme aux Nations unies. Alors, les principaux actionnaires du Fonds monétaire international, c'est bien sûr les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, etc. Mais en fin de compte, ça, c'est un aspect. Parce que en dessous de cette représentation politique au sein d'une organisation intergouvernementale, il y a d'autres enjeux. C'est le trafic d'influence qui se fait entre Wall Street d'une part et Washington d'autre part. C'est les liens entre le Fonds monétaire et les think tanks, le Heritage Foundation, le Brookings Institute, le Trésor américain est impliqué également, la US Federal Reserve, etc. Tout ça, ça forme ce qu'on a appelé le consensus de Washington. C'est un jeu de pouvoir. Après la guerre, il y avait naturellement la création du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et dans l'esprit de John Maynard Keynes, qui était l'architecte de ces deux institutions, il fallait un troisième larron, une troisième organisation qui aurait été l'Organisation internationale du commerce. Ça n'a pas marché. Les Américains n'en ont pas voulu. Donc, comme position de repli a été créée le GATT, le General Agreement on Tariffs and Trade, qui a été créé donc en 1947 et qui devait s'occuper de faire baisser
les droits de douane sur des produits industriels. Et le GATT a à peu près bien marché parce que au cours des 50 ans de son existence, il y a eu tout de même des réductions importantes dans ces droits qui sont passées de l'ordre de 40 à 50% en moyenne à 4 ou 5%. Mais ça ne couvrait que les biens industriels, n'est-ce pas, que les produits. Et donc, il a été ressenti le besoin, surtout par des compagnies transnationales financières, de créer une organisation qui couvrirait beaucoup d'autres domaines que simplement les produits industriels. Et c'est pour cela qu'a été, au bout de l'Uruguay Round, le dernier cycle des négociations GATT, et tirer la décision de créer l'Organisation mondiale du commerce qui devient une réalité le 1er janvier 1995 et qui couvre une multitude d'accords, non seulement le GATT qui est toujours, mais l'accord sur l'agriculture, l'accord sur la propriété intellectuelle dit TRIPS, l'accord général sur le commerce des services qui est une immense chose qui couvre 11 grands domaines et 160 sous-domaines, si bien que toutes les activités humaines s'y trouvent couvertes par les règles du GATT, jusqu'à l'éducation, la santé, la culture et l'environnement. Et puis, il y a d'autres accords techniques qui semblent techniques, en tout cas, mais qui sont en fait extrêmement politiques, qui sont l'accord sur les barrières techniques au commerce, sur les mesures sanitaires et phytosanitaires qui sont des accords sur les normes que les différents membres, c'est-à-dire les États, peuvent mettre en place et qui déclarent qu'un certain nombre des normes sont en fait des barrières techniques au commerce. Et puis peut-être moins connu, mais le plus important de tout, c'est l'accord sur le règlement des différends qui est l'arme juridique très puissante de l'Organisation mondiale du commerce, qui lui permet de trancher des disputes entre membres et de faire jurisprudence. Alors, qui juge? On ne sait pas très bien, parce qu'il y a des experts qui sont choisis sur des listes, et les pays peuvent recommander quelqu'un pour être sur ces listes. Ce sont des gens privés en général, des avocats du commerce ou parfois d'anciennes officielles de commerce, mais on ne connaît pas leur nom. Ils se réunissent en secret, généralement à trois. Ils décident assez vite. Il y a aussi une possibilité d'appel, mais l'appel, c'est dans les mêmes conditions. C'est un nouveau panel et ça décide en secret. Ce qui est important de comprendre avec l'ORD, avec cet organe de règlement des différends, c'est qu'il est à la fois le législateur, le juriste et l'exécutif, parce qu'il décide et il établit une jurisprudence. Il se met au-dessus de toutes les lois qui ont été passées par les législatures individuel des pays, mais aussi au-dessus du droit international qu'on a établi péniblement depuis 50 ans, les droits de l'homme, les conventions multilatérales sur l'environnement, les conventions de base de travail du Bureau international du travail. Tout ça, on l'oublie. Et puis, on fait des décisions à l'OMC qui disent, bon, le commerce, ça prime tout. Et on ne veut pas entendre parler de vos conventions sur l'environnement. Et puis, il est exécutif parce qu'il a le pouvoir d'imposer des sanctions. Et quand un pays n'est pas d'accord avec son jugement, on lui dit très bien, vous ne mettez pas votre législation en conformité avec ce que nous avons décidé, mais vous payez. Et vous payez chaque année. Et vous payez à travers des droits de douane que votre adversaire dans ce processus de règlement des différends va décider. Donc, quand les États-Unis décident
d'imposer des droits sur l'Europe, pour la France, sur le foie gras, la moutarde et le roquefort, il est parfaitement dans son droit. Et ça coûte cher et peu de pays peuvent soutenir cette ponction chaque année. À l'OMC, il y a différentes négociations qui se passent en même temps. Un pays qui n'a déjà pas d'ambassadeur à Genève ou qui partage un ambassadeur avec plusieurs autres pays, ce qui est le cas pour les Africains et pour beaucoup de petits micro-États. Ils sont dans l'impossibilité de suivre les négociations. Alors, le Sud ne sait pas ce qui se passe dans tous les domaines. Et ils le disent ouvertement. Il y a un ambassadeur du Sud qui a dit « L'OMC, c'est comme un cinéma multiplex. Il faut choisir le film qu'on a envie de voir parce qu'on ne peut pas les voir tous. Bon. » Donc, ils choisissent ce qui leur paraît important pour leur pays et puis le reste... Donc, qui prend les décisions en réalité? On dit que c'est le consensus. Il n'y a jamais eu de vote à l'OMC. Et l'ambassadeur des États-Unis a dit que le vote serait un très mauvais précédent. Donc, on voit ce qu'il en est pour la démocratie. Mais en réalité, c'est le Quad. Le Quad, c'est les quatre pays, Canada, États-Unis, Europe, Union européenne et Japon, qui se voient tout le temps, qui ont un personnel nombreux auprès de l'OMC et qui arrivent, eux, à leur consensus et puis qui retournent devant l'Assemblée plénière et qui disent « Bon, vous êtes d'accord, n'est-ce pas ?» Et il est très difficile pour les pays du Sud de dire non. Il faut beaucoup de courage et il faut être très sûr de son fait parce que les moyens de pression sur eux existent et il ne faut pas se leurrer. Si vous êtes quelqu'un de dépendant du FMI ou si vous avez des problèmes avec les États-Unis, vous savez que il faut pas trop sortir du rang. Les accords de Dayton ont été signés en 1995 dans une base militaire américaine. Et si on consulte le texte de ces accords, on verra que la constitution de la Bosnie-Herzégovine apparaît en appendice aux accords de Dayton. Cette constitution fut rédigée par des consultants et des avocats américains qui se sont réunis, qui ont en fait rédigé un document fondamental
sans qu'il y ait eu pour autant une assemblée constituante des citoyens en Bosnie-Herzégovine. Et on lira dans cette constitution confectionnée par les États-Unis, on lira que article un tel, la Banque centrale de Bosnie-Herzégovine ne pourra pas fonctionner en banque centrale, elle devra fonctionner en bureau d'émission, currency board, c'est-à-dire en fait une banque coloniale, sans possibilité de création monétaire. Ce qui veut dire qu'elle est complètement piégée par ses créanciers extérieurs. En fin de compte, c'est le modèle qui existe présentement en Argentine, par exemple. Mais plus encore, dans la Constitution de Bosnie-Herzégovine rédigée à Dayton, on lira que le Fonds monétaire international nommera le président de la Banque centrale de Bosnie-Herzégovine et que celui-ci ne pourra être un citoyen de la Bosnie-Herzégovine ou d'un pays voisin. En d'autres mots, on voit que cette constitution qui est totalement fabriquée, qui n'a pas de base citoyenne au sein de la Bosnie-Herzégovine, installe un gouvernement colonial. Okay? En fait, on l'appelle autrement. On dit que c'est la communauté internationale, etc. Mais en fin de compte, on voit d'abord que toutes les structures administratives sont dominées par des étrangers, les budgets sont dominés par des étrangers, la politique monétaire est inexistante. Et néanmoins, ces accords de Dayton sont maintenant présentés par la dite communauté internationale comme étant un peu la réponse au problème de différents pays. On voudrait également établir le même modèle de gestion coloniale dans des pays tels que la Macédoine ou la Yougoslavie. Okay? Et de fait, on parle d'une mosaïque, c'est pas d'une mosaïque de protectorat. Military humanism is a nice term that's used to disguise a coercion, conquest, and oppression. But there's nothing. All that's new is the term. I mean, if you look back through history, the history of conquest and imperialism and oppression and violence is almost always presented in humanistic terms. So the French were carrying out the civilizing mission while the French Minister of War was saying we have to exterminate everyone in Algeria. The British were selflessly bringing civilization to the barbarians in India when they conquered it and created the greatest narco-trafficking empire in the world to try to penetrate Chinese markets while they were talking about free trade, incidentally. In the United States, it's called American exceptionalism. We're so noble, nobody could be like us. The problem is every other system of power said the same thing. When the Japanese were conquering Manchuria and northern China, the documents which we have, because they were conquered, is just overflowing with humanist rhetoric about how we're going to create an earthly paradise, and Japan is selflessly giving of itself, for the benefit of the people. Actually, there was an interesting article which you may have seen in the Globe and Mail a couple of weeks ago by a Russian emigre. He was a Russian soldier in Afghanistan, and he's now living in Canada. And he was comparing the way the Russian invasion of Afghanistan was described. He was comparing it to the way the U.S. invasions of Iraq and Afghanistan are described. So he was talking about Canadian troops in Afghanistan. Almost the same. He was a soldier, and they said they all believed it. They, we're trying to aid the poor people of Afghanistan. We're being undermined by the terrorists supported by the CIA. We're sacrificing ourselves, bringing them medical care, granting rights to women, and so on and so forth. We can't do it because of the crazed Islamic terrorists, a lot of which happened to be true. But
It's pretty much the way Canada now describes its mission in Afghanistan, the mission in Iraq is described, and so on. I mean, these are almost cultural universals. So sure, now it's military humanism. Neoliberalism is supposed to be pure economics. But, you know, the minute you look at it, you see it's just power play, you know, by multinational corporations and the few states that cater to their interests and created them, in fact. So it's a, if you want, it's kind of neocolonialism, but in different terms. I mean, and this runs right through history. I mean, if we had records from Attila the Hun, we'd probably find that it was full of noble rhetoric.